Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du DRC Pêche Show. Encore une fois, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Vous connaissez le principe, si vous êtes là, ben on sera là. Il faudrait vous connecter, donc n'hésitez pas à partager, liker. Comme toujours, soir de match, on débrief. Je ne suis pas tout seul, hein. J'arrange un peu mon code là, mais je ne suis pas tout seul pour pouvoir passer ce moment avec vous. Et ce soir, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de choses à dire. Score hier 0-0 à l'extérieur. On s'attendait à beaucoup de choses. Mais hélas, comme toujours, il faut s'attendre à tout avec les Diables Rouges. Donc, pour en parler ce soir, je suis avec Gloire, Congo Boys. Bonsoir. Peut-être activer le micro. Bonsoir à tous, bonsoir à Joe, bonsoir à tous les auditeurs de RCPF. Je vois que le maillot des Diables Rouges, le maillot, il est rangé, il n'est pas ressorti. Ah non, là le maillot aujourd'hui on l'a dit seulement on le sort pour le match aller, mais on le sortira le prochain match, il n'y a pas de souci. Ah, mais on a pris un point. Donc c'est pas comme si on était reparti de là avec zéro. Oui, c'est clair, mais bon, il y a des choses à dire. Je laisse les autres chroniqueurs se présenter. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur notre En tout ami. cas, ce soir, c'est un dispositif assez exceptionnel. Donc, on va essayer de prendre un peu plus de temps. On est là au moins pour 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, si jamais vous êtes nombreux. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, n'hésitez pas à faire monter la. Voilà, à partager, parce qu'aujourd'hui, ce soir, on veut en parler. On va vous donner la parole aussi. La dernière fois, on ne l'avait pas fait. On va vous donner la parole. Donc, si plus vous êtes nombreux, plus on aura l'occasion de revenir et de débriefer ce match. En espérant qu'on puisse aller le décortiquer. Il n'y a pas que Congo Boys, hein. Ce soir, nous avons aussi Monsieur Guy Roland. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à nos amis fans de DRCPF Show et les abonnés. Ah, bonsoir, bonsoir. Tu as suivi le match ou pas? Première Si, question. si, j'ai suivi le match, oui. Ah, d'accord. Donc, c'était juste une introduction. On aura l'occasion de venir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a plein de gens qui nous écrivent déjà. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir aux amis qui sont en train de venir. Partagez, likez, faites-nous monter des cœurs là. Est-ce que vous aimez le DRCP Show? Est-ce que vous êtes présent ce soir? Si vous êtes là, ben, vous mettez des cœurs, vous mettez des likes, des pouces bleus. On en a besoin beaucoup parce que on veut débriefer. Je ne suis pas seul, on ne sera pas que deux, sinon ça sera un peu triste, hein, vu que c'est les deux compères de ce soir, Guy Roland et Gloire, n'ont pas sorti leur maillot. Ce serait dommage, donc on risque de ne pas avoir de duel. Mais évidemment, nous avons ben, quelqu'un d'autre aussi, un habitué que vous connaissez, Jaris, bonsoir. Je vois qu'il tient son paquet de Doliprane, ou enfin, du moins de générique. Pour pouvoir absorber la douleur des maux de tête que peuvent donner. Mais ce n'est pas une défaite, Jarvis. Tu ne peux pas t'enfermer dans une pièce et enchaîner les comprimés. On a dit que c'est toutes les 4 heures, hein. Il faut respecter la posologie de la vie. Ah, en plus, ce n'est pas bien pour conduire. Mais on ne t'entend pas. Oui, excuse-moi. Bonsoir à tous, hein. Mais ça fait Bonsoir. 4 points, mais contre les Santini, vu qu'il Oui. est proposé, mitigé, mitigé. Frustration, comme d'habitude. Hein. Donc c'est pour ça que tu as allé prendre tes calmants pour. Ouais, parce que j'oublie la calculatrice aussi. Je pense qu'on en aura besoin. Tu allais prendre la calculatrice. Ben dis donc, je suis assez surpris. Moi, Je pense qu'on aura besoin de la calculatrice. Congo a pris 4 points par rapport à son poursuivant le plus direct. Et donc, il l'a mis à 4 points. On aura l'occasion d'en débattre ce Pas soir. de Et je problème. suis pas seul parce qu'il y a notre ami. Ah ben dis donc, ce soir, il a la casquette. C'est incroyable. On a un Avengers avec la casquette sur la tête. Ça veut tout dire. Peut-être que lui, il a trouvé la possibilité de pouvoir avoir ce but-là qu'on arrive à cueillir comme l'arachide qu'on ramasse dans la route. Hein? Bonsoir, Iron Mike. Bonsoir. Un côté un peu casquette à l'envers. Bon, on ne sait pas trop exactement Bonsoir qu'est-ce qu'il a voulu nous faire, Joe, mais. bonsoir
Ah, avec la connexion est toujours un peu bizarre. Hein. Ça, c'est l'effet de la défaite, ça. Ça. On te voit pas bien, ta Je sais pas connexion, comment ton image est faire sur cette connexion. décalée. Il faut Oui, renouveler ton forfait. Il faut renouveler ton forfait, monsieur. oui. Mais non, mais non. Non, mais là c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend un peu mieux, oui. Oui, c'est mieux. Non, c'est On vrai va que avoir. j'ai du mal à me connecter, mais ça. Tu as eu du mal, un peu comme les Diables Rouges cet après-midi à Babané. Apparemment, Si c'est une question il y a un petit décalage de son là. J'ai ouais, je pense. l'impression que Iron Mike nous reçoit avec un petit ton. Mais bon, Alors, je. je vais essayer de me reconnecter. Oui, ce serait mieux. Je quitte le studio. Je reviens. Très bien. Merci beaucoup. En attendant que Iron Mike puisse nous rejoindre, je n'ai pas oublié un fidèle, quelqu'un qui est aussi très important dans ce groupe. Un jeune mais pétri de talent. C'est-à-dire qu'on attendait un peu dans ce cœur de jeu au milieu de terrain. C'est le milieu de terrain du DACP Show. Tito Gamus, bonsoir. Bonsoir Tito. Ah ben dis donc, lui aussi apparemment sa connexion déconne. Tu nous entends? J'ai du mal. J'entends, mais j'ai du mal. Je vais relancer. Ah, dis donc, J'ai un c'est problème. vraiment des relances. Hein. On vient de perdre en l'espace de 2 secondes, on vient de perdre deux points, comme le Congo cet après-midi. On vient de perdre deux chroniqueurs. C'est un peu analogique, mais bon, on va avancer dans le débat. Vous aussi qui êtes sur le terrain, vous aussi qui êtes dans l'espace, n'hésitez pas à commenter, liker. On a besoin de vous, n'hésitez pas, vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, en attendant que les autres reviennent, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet du soir, notre premier sujet du soir. Déjà, je mets la petite banderole qui nous demande tous de nous afficher. Donc, voilà, on récupère les deux. Voilà, un peu comme le Congo, mais nous on récupère. Le Congo a perdu 2 points, mais nous on les récupère. Nous on récupère nos deux intervenants. Voilà. Donc Tito Gamu, tu disais, tu n'avais pas fini ton mot d'introduction. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai la calculette et le petit Doliprane pour Il zoologie manque le verre d'eau. respectée. Il manque le verre d'eau parce que je ne sais pas comment tu vas pouvoir avaler ça avec une calculatrice. Mais bon. Ah, on va avancer dans le débat. Je sens que les gens sont un peu tristes, les gens sont un peu aigris, qui sont un peu. Voilà, je lis quelques messages comme ça qui viennent. Non, ben, écoutez, Kesha, il a fait un bon match, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, d'entrée de jeu, ça attaque direct. On connaît un petit peu comment ça se passe ici. Il y a notre ami Wilfried qui est là, qu'on salue, et tous les autres, hein, Son Altesse Henri Ier, enfin, ils sont nombreux là, je ne vais pas pouvoir tous les citer, même si on se qualifie pour la CAN, on ira en Corée. On n'a pas une équipe. Depuis l'aller, j'ai senti qu'il n'y a rien. Ah ben, dis donc, c'est toujours facile de parler comme ça. Alors, premier sujet pour ce soir, en Iran d'entrée, Eswatini Congo, 0 partout. Les Diables Rouges lâchent 2 précieux points. J'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais ce n'est pas un point d'interrogation puisqu'ils ont effectivement lâché 2 points. Mais est-ce que c'est 2 précieux points? J'ai envie de commencer par Guy Roland. Bon, tout en sachant que c'était un match qui allait peut-être nous mettre à l'abri de deux futures confrontations que nous avons contre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout en sachant Le Sénégal est qualifié, donc on n'a plus de confrontation à avoir avec eux. Le Sénégal est qualifié. C'était l'objectif du Sénégal. Donc le Congo venait déjà pour s'affirmer et confirmer. On t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi ce soir, il y a vraiment
tout le monde a eu au moins une fois un problème de connexion. Voilà, avec le micro, peut-être que c'est mieux. Guy Roland, avec le micro. On va réessayer. Mais on t'entend toujours pas, c'est incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à l'entendre. Ben, on va prendre quelqu'un d'autre. Tito, les Diables Rouges plâchent deux points précieux ou pas? Je dirais, oui, il lâche deux points précieux, mais vu le contexte actuel du groupe, je me dis que c'est un mal pour un bien, parce que ça pousserait les Swatini pour le prochain match à y croire, à jouer à fond ses cartes contre la Guinée-Bissau, et nous jouer contre le Sénégal qui se relâchait et prendre un point. Donc voilà, jouer la calculatrice et se qualifier sur le match du Sénégal. Pour moi, c'est lâcher deux points, mais un mal pour un bien. Un mal pour un point. Iron Mike, deux points perdus, mais au final, on en prend quatre sur deux jours. Le bilan comptable, il est positif ou pas? C'est pas comme si on en avait perdu, on n'a pas perdu de points. Bon, je dirais d'emblée que l'intérêt, c'était de prendre des points. Mais dans ce genre de confrontation, dans ce genre de configuration, lorsqu'on a une équipe, je dirais le petit poussin du groupe, il faut prendre le maximum de points possible, le maximum de points prenables. Et face à l'Eswatini, c'est sans doute, je suis certain que les trois points que la Guinée-Bissau ont pu avoir, puisqu'ils ont trois points, je crois que c'est face à l'Eswatini qu'ils l'ont eu. Donc, ce qui signifie que c'est plus ou moins ce que l'on pourrait qualifier dans le jargon footballistique congolais as tabula point. Donc, c'est plus ou moins l'équipe qui viendra partager les trois points. Et donc, nous, en sortant de la double confrontation avec quatre points, pour le perfectionniste que j'essaie d'être en termes de football, je considère ça comme un échec. Il aurait fallu que nous prenions les quatre points, que nous puissions aborder la cinquième journée avec plus de sérénité. Parce que rien ne dit que le Sénégal, en étant déjà qualifié, qu'ils vont lever le pied. Le Sénégal va sans doute vouloir sortir de la poule, peut-être avec 18 non, points. N'allons pas trop vite. On est sur ce bilan comptable, sur ces deux confrontations. Je vais aller revenir en match d'aujourd'hui, et en tout cas au pire sur la double confrontation, donc les deux matchs. Je me tourne vers Jaris. Deux matchs, il y avait 6 points possibles, on en prend 4. On n'en perd pas. On ne sort pas de là avec une défaite, on en prend 4. On pouvait en prendre 6, 4, 1, voire 0. Et on en prend quand même 4. Donc, quel est pour toi, certes, le Congo lâche deux précieux points ou ce sont des points qui sont rattrapables? On a lâché deux précieux points. Jaris, merci Iron Mike. Ouais, j'appuie ce que Mike vient de dire. On a lâché deux précieux points contre un des adversaires les plus faibles, même de toute cette phase éliminatoire, tous les groupes confondus. Le rendu a été décevant cet après-midi. On aurait pu se faciliter la vie pour les prochaines journées, mais on a le don de se... On n'aime pas se qualifier facilement. On aurait pu, par exemple, se permettre un écart contre la Guinée. Mais là, la Guinée, s'ils nous battent et pas des Sanchini, ils sont qualifiés. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est, pour moi, c'est deux précieux points. Mais est-ce que le football n'est pas mathématique? On l'entend souvent. Est-ce que dans un match de football, tout peut arriver? Les Sanchini n'avaient pas à cœur de se dire qu'ils allaient faire un match, ils allaient baisser les bras parce qu'ils avaient perdu à Brazzaville. Et qu'ils savaient qu'en prenant un point sur leur sol, ça leur permettrait de rester, de continuer à y croire. Et que rien que leurs prochains adversaires, rien n'est gagné pour eux non plus. Hein. Ils ne vont pas prendre leur peau. Il n'y a plus de petites équipes qu'on va dominer comme ça. On a vu le Sénégal hier a dû cravacher pour pouvoir aller prendre les trois points. Ce n'était pas chose faite. Mais maintenant, je vais te poser la question aussi, retourner la question aux Français qui sont là. Parce que nous, on s'est comporté en favori, on s'est comporté aussi en leader. Non, il y a dans l'intention de jeu, dans l'approche tactique, dans l'intensité, dans du tout. On a joué comme des. On s'est comporté aussi en petit, en fait. Je,
Je vais me tourner, je vais continuer à prendre d'autres avis. Il y avait Guy Roland qui nous a rejoint, qui n'avait pas donné son avis, mais je vais prendre l'avis de Congo Boys. Mais en rebondissant quand même, Jaris dit qu'on s'est comporté, on s'est pas comporté en leader. En tout cas, sur ce match, aujourd'hui, le Congo avait plus de 60% de possession de jeu, s'est créé les plus grandes occasions, avait tenu le ballon. Est-ce que c'est n'a pas pris le jeu à son compte? C'est à la fin du match où les Santini a commencé à peut-être espérer parce que bah, le Congo, ne trouvant pas, a commencé à reculer. Ils ont accéléré un petit peu. Est-ce que, du coup, le Congo ne s'est pas comporté en leader durant ces deux phases de ces deux matchs de poule? Ouf. Bon, avoir la possession de balle, c'est bien, mais... Il y a eu ce coup franc oui, là-bas. Arjo, il n'y a pas de souci. Il y a eu le poteau, il y a eu la frappe de Makuta, etc. Globalement, on a eu la possession de balle. Il y a eu, en première mi-temps, allez, pendant 10-15 minutes où, voilà, on sentait que le Congo essayait de construire, de jouer, même si on sait que la pelouse, c'est pas une excuse, mais que la pelouse n'était pas aussi exempte de tout reproche. Mais voilà, pour moi, après, c'était une domination stérile. Maintenant, sur le plan comptable, excusez-moi, on l'avait dit déjà au match aller qu'au niveau du jeu, il y avait des choses à revoir, mais là, on a clairement vu que dominer n'est pas gagné. Et à la preuve, on s'est fait peur. Donc, pour moi, c'est un échec, cette double confrontation. Je suis désolé, on est le Congo, on n'est pas non plus, on va dire, parmi les meilleurs actuellement, mais face à cette équipe-là, on se devait de prendre 6 points pour déjà distancer la Guinée-Bissau. C'est vrai qu'on a 4 points, on a 4 points d'avance maintenant sur la Guinée-Bissau, mais 4 points, on sait très bien que le Congo n'a pas pour habitude de savoir gérer son avance. Donc on a notre destin entre nos mains, mais on sait que voilà, on n'a plus droit à l'erreur. Et on a plus droit à l'erreur. Donc pour moi, c'est 2 points précieux qu'on lâche et j'espère qu'on ne regrettera pas par la suite. Là, si on parle du point comptable, après du point de vue du jeu, tout ça, je pense qu'il y a un autre débat qui arrivera. Il y a des commentaires, il y a un long commentaire de Charles qui dit après quelques analyses, j'ai vraiment senti que les Diables Rouges ont vraiment lâché la pédale par rapport à leur motivation qu'ils avaient après la défaite au Sénégal. En effet, je pense qu'il est temps d'arranger les choses, notamment le système de jeu, la cohésion et renforcer encore plus. Ce serait un peu difficile pour que nous soyons qualifiés si nous perdions. Seulement face au Sénégal, la Guinée va nous surprendre sur leur terrain. Bon, c'est un avis. On continue. Guy Roland, tu ne nous as toujours pas donné ton point de vue par rapport à ce premier sujet. Quel est ton avis? Je disais que le Congo a laissé filer 2 points précieux sur cette double confrontation. Je pense que ce n'était pas un match qui méritait de se solder sur un score nul. Le 0-0, vu l'entrée de jeu, on était très dominateur. Et en deuxième mi-temps, on a essayé même d'apporter sur beaucoup de choses, mais je pense que on va toujours répéter ou bien marteler pour qu'on arrive à trouver des solutions sur. Il y a eu un problème de cohésion entre l'attaque et le milieu de terrain dans ce match. Je pense qu'il y avait à faire. Il y avait à faire. Bon, mais voilà. L'essentiel qu'on sorte de là avec un point et puis on va essayer d'armer les canons pour aller chercher au moins 3 points dans les 2 confrontations qui nous restent pour nous assurer une place à la CAN 2022. Très bien, très bien. J'aimerais quand même vous poser votre question, enfin vous connaître sur le... Ok, on a fait le tour, on va avancer un peu dans le débat, on va essayer de... J'ai envie de vous poser d'autres questions parce que ce sujet, le match, comment vous l'avez trouvé en soi par rapport aux hommes sur le terrain aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est rendu quand même que cette pelouse de l'Eswatini n'était pas évident pour pouvoir développer du jeu? C'était quasiment pas. Il y avait un vent aussi qui freinait les contre-attaques. C'était difficile de pouvoir pratiquer du jeu. C'était pas comme la deuxième mi-temps qu'on a pu voir à Brazzaville, où là, quand on a fait rentrer des joueurs de vitesse, on s'est rendu compte qu'il y avait un terrain qui permettait d'accélérer le jeu. Est-ce que aussi, il faudra aussi tenir compte de cette réalité-là?
En première mi-temps, on s'est rendu compte que le terrain n'était pas forcément avantageux, qu'il fallait jouer tout le temps dans les pieds pour s'assurer les passes. Quel est votre avis sur cet aspect-là? Ou pour vous, c'est quelque chose de négligeable qui ne mérite pas qu'on s'y penche? Iron Mike. Si, c'est un... Pardon? Vas-y, Yaris. c'est un facteur qu'on peut prendre en compte, hein. Mais moi, ce que je leur reprocherais, c'est l'intensité. C'est l'intensité. Il n'y a pas eu de course à haute intensité. Physiquement, on n'était pas forcément au-dessus. On a eu des possessions, on a eu la possession de balle, mais on n'a pas vraiment eu, à part le poteau de Duf, on n'a pas eu de Thibota, pardon, on n'a pas eu de. On n'a pas eu d'occasion vraiment franche. J'ai pas vu grand-chose, hein. Je ne retiens pas grand-chose de ce match-là. Donc oui, le terrain n'était pas bon, mais c'est une excuse parmi tant d'autres, hein. Après, moi, je me pose vraiment des questions au sujet du coaching de Valdo, hein. Les gens. Il y aura un débat qui va Ok, arriver là-dessus. y a pas de souci. Et moi, je voudrais prendre, est-ce que quelqu'un parmi d'autres encore sur le plateau estime que le terrain a pu jouer aussi là-dessus ou qu'il y a eu un manque d'intensité au niveau des joueurs, rien qu'à ce niveau-là? Ouais, moi je pense que bon, franchement, excuse-moi, au niveau de l'intensité, le terrain, oui, enfin, oui, mais je veux dire, voilà, on a déjà vu des équipes, voilà, jouer sur des équipes, sur des terrains, voilà, qui sont pas dignes de terrain de football, mais ça n'excuse pas le manque d'intensité, le manque de rythme que le Congo a pu montrer, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, surtout en deuxième mi-temps. Et la possession de ballon, elle était beaucoup beaucoup stérile. Et les hommes sur les, en tout cas pour moi, les hommes. Après, tu as mis cette parenthèse-là, Arjo, les hommes qui étaient sur le terrain. Il y avait, on l'avait dit lors des RCPF spécial d'après le match à Brazzaville, qu'il fallait mettre les gens à la place qu'il faut. Et apparemment, bah voilà, il s'est entêté à remettre les mêmes hommes. Et on a vu, comme on avait dit, Iron Mike, à défaut du coq, on mange le canard. Non, je crois que c'est ça qu'il avait dit. Donc voilà. On Donc, est en train de canard, c'est quoi? voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. On va avancer dans le débat parce que je me sens que vous n'êtes pas assez inspiré là-dessus. On va avancer sur le sujet, prochain sujet, notamment Valdo, des choix en question pour quel jeu? Alors, on s'est rendu compte, dois-je peut-être vous rappeler le classement? Est-ce que tout le monde a en tête? Je laisserai peut-être Tito, qui maîtrise plus cet aspect-là, de nous reciter. De nous rappeler le 11 de départ et de pouvoir donner son point de vue par rapport aux choix. Quand je dis des choix, je ne parle pas que des changements, je parle du système de jeu, des hommes qui ont été alignés et ton avis sur la question. En défense, Alors, le classement, c'est plutôt un classement type Valdo, hein, c'est 4-4-2, avec dans les buts le gardien installé, Mafumbi. En défense, on avait de la droite vers la gauche, Tsouka, Mayembo et Itoaf faisant la paire défensive, et Bisiki à gauche, le grand Bisiki. Au milieu, on avait un milieu à deux, avec deux récupérateurs qui ont fait le taf, je pense, aujourd'hui. OCT que j'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Ndokit qui l'accompagnait, qui a été mieux qu'au match aller. À droite, on avait notre excentré de luxe, Makuta Gayus. Et à gauche, on avait Chibota qui a essayé en première période d'apporter de la vitesse, mais avec beaucoup de gâchis dans la dernière passe. Et on attaque le duo de feu qui tourne comme dans un moulin. Gamboula et Ibarra, que j'ai trouvé Ibarra très très bon aujourd'hui dans la tenue de balle et dans le jeu dos au but. Mais je pense que le terrain jouait de beaucoup dans ses derniers choix de passe. Il y a des actions où il hésitait à mettre dans la profondeur parce que la pelouse n'étant pas bonne pour y ralentir le jeu. Mais bon, voilà. En gros, ce classement, on va se répéter, hein, c'est mettre les joueurs à la place qu'il faut, mais ça n'a pas été fait. Makuta, en première période à droite, ça n'a pas donné grand-chose.
Deuxième période, quand il fait entrer Makiese, il le met à gauche, toujours rien. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à le mettre comme ça. Les joueurs, pour le point de départ, c'était les joueurs qu'il fallait, à une exception près peut-être, mais le schéma tactique, ce n'était pas celui qu'il fallait. On s'attendait plutôt à un Makuta en 10, mais là, déçu encore une fois. Très bien. Je vais faire réagir Guy Roland parce que je sais qu'il doit nous quitter à un moment donné. Donc, c'est pour ça que je lui donne la parole en premier. Guy Roland, les choix de Vado, le système de jeu aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pense que les choix de Vado, ça date pas d'aujourd'hui. Il a du mal à gérer son effectif, à mettre les gens qu'il faut à leur place. Et je pense qu'à ce niveau, on aura toujours les mêmes problèmes. Au match aller, il a essayé d'adapter Makuta comme excentré du côté gauche, qui a essayé de rendre vraiment comme il pouvait le pauvre. Et aujourd'hui, on le fait jouer à droite. Il essaie de donner aussi comme il pouvait parce que c'est le système qui est imposé par un entraîneur. Mais moi, je pense que Makuta, nous le connaissons tous, étant 10 meneurs dans son club. Donc, je pense qu'avec ce système de jeu qu'il a eu adapté en mettant les deux attaquants que nous avons qui jouent en pivot, Ngamvula et Ibarra, qui ne vont pas balle au pied, ce n'était pas évident que ces gens-là arrivent à faire quelque chose de concret s'il n'y avait pas un apporteur qui pouvait venir avec les balles au milieu. Puisqu'ils se sont embrouillés un moment entre les deux pour la réception de balles. Vous avez vu un moment, il y a même Ngamvula qui est descendu, qui voulait faire le 10. Ngamvula est même descendu. À un moment, il était perdu dans tout le match parce que il ne savait pas où se positionner et Ibarra lui marchait sur les pieds. Et c'est le problème que nous avons avec Vado, qu'il arrive à mettre les gens dans leur poste de prédilection. Je sais qu'il est limité, mais qu'il fasse quand même un effort à ce niveau-là. Comment ça? Mais il a un adjoint, il a un staff, il nous écoute tous les jours. Oui, mais il a un staff. Non, il faut qu'on arrive à dire certaines choses. Il ne faut pas qu'on a... Je vais vous dire un truc, Vado... C'est une faille collective, en fait. C'est un groupe collectif. Je ne mettrai pas Ngansono dans ce sac parce que Ngansono a essayé de nous faire des prouesses avec l'équipe locale et c'est quelqu'un qui a son schéma. Et là, il est adjoint. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est en complémentarité qui vient. Les joueurs qui se retrouvent dans cette équipe, quand même, c'est des choix qui... On ne va pas estimer que l'entraîneur adjoint qui est là, qui les suit en plus, il y a certains joueurs qui sont... Non, puisque si on va dans ce débat, je pense que même les joueurs locaux qui sont dans cette équipe-là, la majorité, ce n'est pas des gars qui ont été présélectionnés par Ngansono avec l'équipe locale. Nous avons été surpris de voir Banza et certains joueurs. Dans le groupe Chan, il y en a. Si, la majorité, ils sont en A-prime, là. Voilà. Nous avons eu Banza et Massa, qui ne sont pas les gars qui sont pas là. N'ont pas joué. On les a bien vus, ils n'ont pas joué. Je parle des joueurs qui ont joué. Non. Donc, lui, il vient, il apporte. Il accompagne, il vient, c'est l'entraîneur. Tout en sachant que c'est l'entraîneur qui décide. Il consulte son adjoint pour dire, moi je pense à cela, qu'est-ce que tu en penses? Quelle stratégie on peut adopter pour cela? Il donne son point de vue et à la fin, il y a un décideur, c'est Vado. Tout en sachant, Ngansono, avec son passé de joueur, avec le niveau qu'il a apporté au sein de l'équipe nationale, avec l'équipe du Chan, je ne vois pas Vado avoir une équipe aussi médiocre et Ngansono avoir une équipe aussi médiocre que ça. Écoute, on va donner la parole je crois que c'est une première pour lui d'être dans le DRCPF. Qu'est-ce qu'il a bien pu gratter au point de vouloir s'afficher? On va donner à l'inspecteur Derrick qui nous rejoint son premier avis sur les choix de Vado d'entrée de jeu. Bonsoir déjà. Bonsoir. Le sujet s'affiche. Vado, des choix en question. Pour quel jeu? J'imagine que tu nous as écoutés. Si tu as souhaité nous rejoindre, c'est pour donner ton avis. Alors, nous t'écoutons.
Pour moi, les choix de Valdo, c'est du pareil au même, rien de surprenant. Malheureusement, on aurait souhaité qu'il nous surprenne, bien évidemment dans le bon sens du terme, mais je pense que le coach a prouvé ses limites. Parce que quand on voit l'ensemble des matchs qu'on a joués depuis les matchs de préparation et les matchs de qualification, on va prendre par exemple la combinaison Ngavula-Ibarra que tout le monde ne cesse de décrier. Je pense que tous les observateurs avertis du football congolais et de l'équipe nationale ont constaté que ces deux joueurs-là ne sont pas compatibles. Avoir OCT à Vounou, ça nous fait rappeler un peu le duo. Comment on l'appelle, Prince Onyango et Dinga Delvin. Certainement que ces joueurs-là, pris individuellement, sont bons, mais leur association au milieu n'est pas productive. C'est vrai que la qualité du stade aussi n'a pas certainement permis de développer un bon jeu, mais sur le papier, déjà, les joueurs qui ont été alignés laissaient à désirer. Et c'est à désirer. Je pense que aujourd'hui, à ce stade, la question de la prolongation ou non du contrat de Valdo doit être mise à l'ordre du jour. Le contrat de Valdo expire à la fin de l'année, début janvier. Donc, je Oui, pense qu'il n'y a même pas besoin de justement. poser la question s'il va se prolonger. Là, ça sera l'objet d'un autre débat. Mais on va avancer parce Exactement. qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris la parole. Je vais me tourner vers Jaris. Des choix en question. Pour quel jeu? Voilà. Il y a deux choses dont je vais parler concernant Valdo. Il n'y a pas de projet de jeu. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il va faire. Les joueurs, ils sont pas à leur place. Et comme je le dis assez souvent, hein, c'est frustrant de la part d'un joueur qui a eu son niveau de voir ce qu'il propose. Je ne comprends pas. Bah, écoute, les changements aussi. Les changements, le timing des changements, il n'est pas compréhensible. Il s'entête avec Gangoula Ibarra. Le choix des milieux, c'est illisible. De la sélection à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment illisible. Après, le deuxième problème, mais c'est des choses où on ne peut pas s'avancer sans preuve, mais on sait que ça existe. Président de la Fédé, il n'est pas coach. Le vice-président de la On avait Fédé, il n'est pas une coach. question d'ingérence, Non, c'est il n'est ça? pas Il coach. subirait une forme d'ingérence comme ça existe Ouais, dans toutes les sélections africaines, beaucoup d'ingérence. énormément. Donc ça aussi, ça peut le tuer aussi, tu vois. Donc ouais, Valdo. Tu sais, des fois, je me demande même si c'est pas une sorte. Je sais pas, je comprends pas. Sérieux, c'est pas compréhensible. Mais pour moi, c'est clairement. Et après, on aura notre débat d'autres jours. Mais c'est clairement plus l'homme de la situation. D'ailleurs, ça l'a jamais été. Donc Très bien. Nous aussi, il va falloir qu'on fasse des choix et qu'on prenne nos responsabilités pour une fois. Mais après, aujourd'hui, le problème, il s'appelle Valdo. Demain, si c'est dans les mêmes conditions de travail, le problème, il pourra s'appeler Tito, il pourra s'appeler Gloire, il pourra s'appeler Jaris. Faut aussi. S'appellera Claude Leroy, il s'appellera. On mettrait qui on voudrait, Mourinho, Guardiola, pour ne citer que ceux-là. C'est là, mais dans ces conditions-là, je pense pas aussi que Mourinho ou Guardiola, aussi grands qu'ils sont, ils puissent travailler, ils peuvent pas travailler. Et après, on va pas parler des arriérés de salaire, on n'a pas de preuves. Mais c'est tout ça fait un micmac pas très sain et pas très lisible. Donc après, faut qu'on prenne nos responsabilités. Soit on veut bâtir une bonne équipe de foot, on a une bonne génération, ou soit on laisse tomber et on fait autre chose. Mais là, c'est plus possible. C'est ce genre de choses-là, c'est compliqué. Je prends, il y a des avis, il y a Elijah qui nous dit, nous pouvons accabler le coach à cause de ses choix, certes, mais il faut aussi prendre en compte le niveau des joueurs. Et justement, il y a aussi cette question. On a vu des joueurs qui sont rentrés. Les changements, généralement, quand un joueur entre,
qui vient du banc, on se dit qu'il vient renforcer, qu'il a apporté quelque chose. Mais là, les changements, et je me tourne vers Gloire, on a presque eu l'impression qu'il n'y a pas eu un seul changement qui a changé le visage de cette équipe. Il y a eu l'entrée d'Arouni, mais on a eu presque l'impression que c'était donc du poste pour poste, c'était des traits défensifs. Derrière, il y a, voilà, on a presque l'impression que la première mi-temps était meilleure que la deuxième, à tel point que les quatre changements qui ont été effectués n'ont quasiment rien apporté. Alors, bon, ça c'est un sujet très passionnant, donc préparer les pop-corn et les boissons. Donc, première mi-temps, Déjà le j'ai bien classement, dit, si on revient à la base. 15, ouais, 15. Oui, le classement, là, comme Tito l'a dit, en fait, c'est le même système de jeu qu'il a mis, à l'exception que Tibota a commencé le match. Sinon, c'était les mêmes joueurs qui ont joué. Sauf que Makuta s'est retrouvé maintenant à commencer excentré droit, et Tibota a commencé excentré gauche. Et après, c'était voilà, c'était les mêmes hommes. La doublette tant décriée devant. On dit que c'est deux joueurs qui sont pas compatibles. Au milieu de terrain, bien que OCT, bien sûr, là où je rejoins Tito, a quand même. Ça, c'était vraiment un match typiquement pour les joueurs qui ont une connaissance du football africain. Ça, c'était vraiment pour eux. Et on a vu, voilà, même Mervin Doky, OCT, au milieu de terrain. Voilà, ils ont montré autre chose. Maintenant, au niveau des changements, c'était pratiquement les mêmes. On commence par bon, la Chibota qui sort à la mi-temps, même si c'est vrai que dans les derniers gestes, il a été il a fait bon, il a pas été bon, mais sinon on voit que niveau percussion et tout, il a essayé d'apporter. Donc j'ai pas déjà compris pourquoi il le sort à la mi-temps. Ça, c'est de 1. Makuta qui ne joue pas dans son registre, on sait tous que c'est un joueur axial, profil plus 8 ou 10 qui sort. Je me souviens plus c'est qui rentre. Après, à un moment donné, quand il y a eu la pause, il demande à Hardi Bingila écarter le jeu au maximum. Mais tu écartes le jeu, mais tu sors tes ailiers. Donc Alors, on ne sait. je rappelle les changements pour être précis, hein. Ouais. On est précis dans cette émission. Alors, à la mi-temps, à la reprise, changement. Donc, ce qui est effectué, c'est Mackiessé qui sort pour être Chibota. Thibota qui sort pour l'entrée de Mackiessé. Voilà. Ensuite, Après, c'est Makuta qui sort. après, C'est nous qui? avons l'entrée, la sortie de Makuta pour l'entrée de Bingila. Ouais. S'ensuit la sortie de Ganvula pour l'entrée d'Avounou. Donc là, si on s'arrête rien que sur ces trois changements, on sort deux attaquants pour faire entrer un attaquant. Enfin, on sort deux attaquants et enfin trois joueurs à vocation offensive et Makuta qui est plutôt milieu derrière les attaquants, donc très offensif, pour rentrer un Makuta offensif, un Bingila certes offensif mais plus créateur du jeu au milieu. Et un Avounou qui est un joueur qui est plus à vocation des Relayage. milieux de terrain. Oui. Ouais. Voilà, ça c'est Box-to-box. ce que moi j'ai retenu. Les deux derniers changements, c'est Bisiki et Ibarra qui sortent, et à ce moment-là, remplacés par Mokombo et le dernier, j'ai oublié le nom, il manque. Massamba Chandrel. Exactement. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'attaquants. Il n'y a plus de joueurs capables de tenir le ballon devant. La sortie de Tibota, On le comprend jeu de pas. On comprend pas, Arjo. Mackiessé arrive, certes, mais on a l'impression qu'il ne fait pas plus qu'autre chose. C'est un garçon qui prend le temps à monter. Et avec cette pelouse et ce jeu, ben, Mais même c'est à ça, Rosa. c'est un joueur qui prend la vitesse. Mais qui va lui donner les Mais ballons, en fait, le problème, c'est ça. Regarde, par exemple, quand il y a la pause fraîcheur, il demande à Bingila d'écarter le jeu. Sauf que, parce que comme c'est mon temps, après, moi, il y a Ironman qui a demandé la parole, donc je vais céder la place après. Mais il demande à Bingila comment on appelle, d'écarter le jeux. Mais s'il te plaît, tes ailiers, tes purs ailiers, il n'y a plus de créateurs. Donc, en plus, vers la fin, à un moment donné,
franchement, c'est là aussi où Essentini s'est créé ses meilleures occasions. Donc, à un moment donné, j'arrivais plus à voir dans quel système de jeu on jouait. Est-ce qu'on jouait dans une défense à 3? Est-ce qu'on jouait dans une défense à 2? Donc, voilà. Donc on sent que Valdo était limité, que vraiment, je rejoins ce qu'a dit Jaris, ce n'est pas l'homme de la situation. Ce n'est plus l'homme de la situation. Son coup de maître a marché à Brazzaville, au match à Brazzaville, très bien, mais on a tiré la sonnette d'alarme qu'il faut changer certaines choses et mettre les joueurs à la place qu'il faut. Donc, pour revenir à ça, il y a des internautes qui disent que oui, c'est pas, on n'a qu'à pas le coach, mais c'est le choix des joueurs. Mais en fait, remettons les choses à leur place. Valdo, c'est un sélectionneur. Certes, on sait tous qu'au-dessus de lui, il peut ressentir certaines pressions, convoque un tel, mais moi j'aimerais bien un tel ou quoi que ce soit. Ok, mais c'est lui qui convoque ses joueurs. Donc on va dire à un moment donné, et quand même c'est Valdo, quand même il a même s'il n'a pas un CV en tant qu'entraîneur, c'est à lui de s'imposer, à dire que non, moi je veux un tel et un tel. Donc maintenant, pourquoi, depuis qu'il est à la tête de la sélection, il n'y a pas de nouveauté? Il n'y a pas de nouveauté. C'est toujours les mêmes choses et c'est du à peu près. Sauf qu'à un moment donné, le à peu près, ça ne marche pas dans le football. Je suis désolé. Et là, franchement, on parle des Swantini, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Ça aurait été contre la Guinée-Bissau, qui est un peu plus rentre-dedans, qui a des joueurs qui jouent quand même dans des championnats moyens et souvent très élevés. Ça aurait donné quoi? Donc moi, pour conclure, Valdo, c'est pas l'homme de la situation, c'est toujours du à peu près, du bricolage, etc. C'est pas l'homme qui sait s'imposer. Je pense que même sur certains changements, il peut perdre son vestiaire, je suis désolé, il peut perdre son vestiaire et perdre certaines crédibilités auprès des joueurs. Donc à un moment donné, la fédération, s'il vous plaît, même si c'est le débat, c'est pas celui-là. Son contrat arrive en janvier, c'est pas l'homme de la situation. Au revoir, bye bye, payez ses arriérés de salaire et prenez quelqu'un d'autre. C'est pas l'homme de la situation. Candido Valdo, va faire ton Instagram, va faire ton reportage de Talassa. On veut plus de toi personnellement. T'es pas l'homme de la situation. Si on va à la CAN avec lui, et d'ailleurs, faut qu'on y arrive, on va se faire laminer. Je vous le dis, on va se faire laminer. On va être la risée de toute l'Afrique. Voilà. Mais après, en revenant au bloc, on a vu les réactions de Makuta. Sur ses lors de ses sorties pendant les deux matchs, il y a... Franchement, moi je suis Makuta, je ne sais pas, on n'en était pas avec lui sur le terrain, donc on ne connaît pas le fond de sa pensée, mais franchement, un joueur comme Makuta, surtout en plus il demandait soit à un Bingila ou autre de créer le jeu ou quoi que ce soit, un Makuta il aurait été utile sur la fin de match. Donc, à un moment donné, franchement, moi, je pense que sur certains choix, aujourd'hui, Valdo a dû perdre une certaine crédibilité auprès des joueurs et il peut perdre son vestiaire. Il peut perdre son vestiaire. Donc, ce n'est plus l'homme de la situation. Merci, Valdo. On a 7 points. Nous prenons un coach qui connaît son métier, qui sait à quel moment faire ses changements, à quel moment il faut mettre X, un tel, à telle place. Et on ira à la CAN. Mais ce n'est pas avec ce monsieur-là. Après, bien sûr, pour revenir, et je le dis toujours, je respecte le joueur. Le joueur, je l'ai été, mais le tacticien, zéro. Merci. On va prendre l'avis de notre ami. Iron Mike, malgré ses problèmes de connexion, il a compris quand c'était en enlevant sa casquette qu'il aurait une meilleure connexion parce que ça brûlait le signal. Iron Mike, donc c'est l'un de ses, on va dire, ses fameux buts dont on attendait, dont on a le secret, comme c'est l'arachide, comme chez nous dans le pays Teke, où on plante l'arachide et ça produit rapidement. Il suffit juste de sortir, de le mouiller un peu, là, ou même d'enlever un peu le sable pour pouvoir le manger. Et on attendait un de ses fameux buts. Non, mais après c'est vrai que, excusez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. La fois où j'ai utilisé cette formule, les gens n'avaient pas compris. Beaucoup d'internautes ont sans doute vu un problème personnel avec certains joueurs, mais alors qu'il n'en est absolument rien. C'est juste que c'est avant tout un état d'esprit. Alors, pour revenir à Valdo, moi, je l'ai dit dernièrement, Valdo, c'est un bon paysagiste, c'est un bon documentariste. Il nous a fait un très beau documentaire du Portugal où il a été en villégiature pendant le confinement. Mais tactiquement, Valdo, c'est pas un groupe qu'il découvre. C'est une équipe qu'il a depuis environ 2 ans. Donc, il connaît plus ou moins les caractéristiques, les spécificités des différents joueurs à sa disposition. Ah. Ça, il est parti, rattrapé par le gang, notre ami
Iron Macias, décidément de gros sérieux problèmes de connexion. Je vais donner la parole à notre nouveau participant. Vas-y, monsieur l'inspecteur Derrick. Alors, c'est juste pour continuer sur concernant Valdo. Tout à l'heure, Mike disait qu'il a l'équipe depuis pratiquement 2 ans et qu'il connaît ses joueurs. La réalité, c'est que Valdo ne connaît pas ses joueurs. Même s'il a été, il a cette équipe-là depuis pratiquement 2 ans et que pour certains, il les a depuis les équipes de jeunes, il ne connaît pas ses joueurs. À quel moment Valdo suit ses joueurs? Il a été en confinement ici en Europe. Les championnats européens ont repris depuis un moment. Il a fréquenté quel stade? Il est allé voir quel joueur? Il a été en relation avec quel joueur? Honnêtement, il a limite plus communiqué pour les événements qu'il y a eu pour le Brésil, les histoires. Pendant le confinement, il a suivi, pendant le confinement et à la reprise des championnats, il a suivi l'actualité de ses joueurs sur des RCPF, comme le font Oui, tout bon. mais voilà, mais il n'est pas payé pour faire ça, pour attendre des RCPF comme tout le monde. C'est limite, c'est lui qui devrait apporter de la matière à des RCPF. Il fréquente quel stade pour... Attendez, Valdo a plus, entre le premier confinement et aujourd'hui, Valdo a plus communiqué pour soutenir le PSG en Ligue des Champions que pour les Diables Rouges ou que pour inspecter ses joueurs. Est-ce que cela ne vient pas traduire aussi une réalité aussi? Quand vous avez un sélectionneur qui se désintéresse à ce point-là, est-ce que ça en dit pas long sur l'organisation qui est autour de lui, sur les moyens qu'on met à sa disposition? C'est comme si vous avez dans une entreprise, vous avez un employé qui glande en fait. Est-ce que la question c'est savoir est-ce que cet employé est respecté à sa juste valeur? Est-ce qu'on lui donne suffisamment les moyens de faire son travail? Ben, sinon, au bout d'un moment, si on ne lui donne pas les moyens, il fait ce qu'il peut et puis le reste, eh ben, il attend son heure, il pointe et puis il s'en va. Parce Oui, que mais c'est bizarre. c'est pas ce qu'on attendrait de Valdo. C'est Valdo, Non, mais c'est peut-être pas. en dit long aussi sur ses employeurs, sur les moyens qu'ils mettent à sa disposition. Mais justement, s'il n'a pas les moyens de sa politique, ben il n'attendrait pas le terme de son contrat. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de démissionner, surtout par les temps qui courent, avoir un salaire qui n'est pas négligeable. Et sans pour Eh autant qu'on respecte dans son ce cas. contrat, on va au bout de son contrat et puis on essaie de. Parce que si Ben, jamais on on fait doit bien son travail. se On renoncer fait bien à son ses émotions. travail. Dans ce cas, on fait bien son travail. Mais Oui. si d'un côté la fédération qui est son employeur n'y voit guère de problème et n'y a Mais pas un son de cloche, donc c'est normal, tout va bien, circuler, il n'y a rien à dans tous les cas, le problème, c'est pas que Valdo, aussi bien la fédération que Valdo, sincèrement, ce sont eux les fossoyeurs du football congolais. La fédération non plus n'est pas exempte de reproche. Je pense que les problèmes du football congolais ont commencé bien avant l'arrivée de Valdo. On va pas non Oui, plus tout mettre sur son dos et justement, je voudrais la redonner fédération la parole. n'est pas exempte de Bonjour. reproche. Très bien, je voudrais Bon. redonner la parole à Iron Mike parce que sa connexion, on ne sait pas quand ça va fuir encore là. On se pose des questions s'il a vraiment payé sa carte, activé son forfait. Il a un pizza depuis 3 jours en fait. Il vous l'a pas dit, mais. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne bug pas, mais ça coupe carrément. Ben, ce sont les Alors, esprits. ben, moi, la seule chose que je dirais, Valdo, j'espère que son contrat ne sera pas renouvelé. Il va falloir qu'il puisse dégager cette fois-ci. Parce que c'est un entraîneur qui est quand même sur 3 échecs successifs. Il échoue avec les moins de 17 ans. Il échoue avec les moins de 20 ans. Il échoue avec les seniors lors de la dernière campagne éliminatoire. Et bon, vous me direz que là, il a 7 points, Il mais. est deuxième de son groupe, il a eu la possibilité d'aller à la CAN et tout d'un coup, tu penses Mais que son entraîneur va se faire le lâcher? le problème qui est là, c'est que même si le Congo se qualifie, franchement, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a C'est une qui? équipe C'est avec un Valdo, c'est entraîneur. l'arbre qui cache la forêt ou c'est autre chose? Ou c'est la Non, qualification? mais aujourd'hui, oui, c'est vrai. On peut reprocher derrière le management de la fédération, mais celui qui est le plus proche du terrain, c'est le sélectionneur. Celui qui met en place la tactique à appliquer sur le terrain, c'est pas Mayolas ou Moussaudia. C'est vrai que ces mecs-là, on peut leur reprocher sur certains éléments
sur certaines informations qui circulent en coulisses. On peut leur faire des reproches objectifs ou subjectifs. Mais Valdo, regarde le 11 de départ à l'aller à Brazzaville. Vous jouez à domicile face à une petite équipe comme les Swatini. Il nous fait un 11. Alors, je pense que lui, il doit avoir un problème avec tes esprits du côté. Il y a un petit chien qui est en train de bloquer son signal. Vas-y, Jarvis, on t'écoute. En fait, aussi, la question que je me pose, Gloire, quand on prend Valdo, on est d'accord que niveau coaching, il n'a aucune expérience, il n'a rien fait, c'est personne. Donc, on a clairement pris un nom. Mais le nom, il nous a servi. Même sur ça, là, il nous a servi à quoi? Rien du tout. Rayonnement du football congolais, parler du foot, il n'a fait aucun plateau, que ce soit en France, vous avez relations. On ne l'entend pas. Même faire venir des joueurs qui pourraient intéresser la sélection, rien. Après, je pense que ça a été une erreur de casting. L'histoire retiendra que Mazikou a été sous l'air Valdo. Oui, mais c'est pas Valdo. C'est pas Valdo. On l'a pris par défaut. On l'a pris par défaut, ce coach. On l'a pris par défaut après la démission de Sébastien Migné. On l'a pris par défaut, Valdo. Il y a certaines personnes qui sont fans du PSG et qui ont leur mot dans ce pays. Et qui était fantastique. Donc, ça revient encore à des trafics. Il y a encore ces influences. Tout est sous influence. Donc, comme l'a dit notre ami. Tout à l'heure, en disant tout est lié. Comme il a rappelé Didier Kouakoutoukas tout à l'heure, en disant le championnat national du Congo est un championnat de merde et le reflet de l'équipe nationale, mais ce n'était pas ça, c'était plutôt. Non. Voilà, c'était plutôt. Et Kia qui me disait, Sébastien Migné l'avait dit sur le plateau du Canaplus, le football congolais est politisé. Donc, avec un football politisé où tout le monde a son mot à dire, tout le monde est. Enfin, nous, sur le plateau du DRCPF Show, on a notre mot à dire, mais c'est dans un certain cadre. Évidemment, nous, on analyse, mais on n'influe pas sur qui doit être sur le terrain ou pas. On émet des remarques, elles peuvent être prises en compte ou pas. Mais pour ceux qui ont la possibilité d'imposer des joueurs ou d'influencer dans le choix d'un tel ou tel, ça vient forcément nuire à ce... Après, Arjo, pour une sélection nationale, c'est souvent politisé, hein. On le voit même ici, il y a eu des problèmes de Naïsna, on en a parlé jusqu'à l'Assemblée nationale, le cas Benzema, ça arrive un peu partout. Mais, au bout d'un moment. Mais sauf qu'après, les hommes s'imposent, le coach, le sélectionneur impose ses choix. Mais non, franchement, c'est illisible, c'est incompréhensible. Les changements qu'il fait, j'aimerais insister dessus. Je suis confiant. En fait, c'est quelqu'un, il joue à chat. Il fait plouf, plouf, et puis après, c'est ça. Moi je pense que aussi bien les changements qu'il fait que sa liste des sélectionnés, je pense qu'il utilise les mêmes critères. On se demande sur quels critères il fait les changements, sur quels critères il sélectionne des joueurs. Parce que j'aimerais bien que Valdo nous explique comment un joueur comme Prestige Mungu, qui a une place de choix dans son équipe, est performant, comment il n'est pas présent parmi les 23. Parce qu'on estime qu'on a d'autres qui sont là. De la même manière, on se demande les changements qu'il fait et que Valdo il fait. Est-ce que c'est par rapport à la physionomie du match? Est-ce qu'il y a un fond de jeu derrière? On se pose des questions en fait. Aussi bien sur le 11 de départ que sur les changements, on se demande pourquoi il les fait. Les changements, je pense qu'il ne voulait plus la victoire. Il ne voulait plus la victoire. Il était résigné au match nul, je pense. Est-ce qu'il y a déjà eu sous l'air Valdo un match où Valdo fait un classement pour vouloir la victoire? Est-ce que vous avez de mémoire un match en référence où Valdo a fait un classement pour qu'il y ait une équipe, un 11 de départ qui vient pour gagner? Ouais, contre le Libéria. C'est très simple à répondre, ça. À chaque fois qu'il a aligné une équipe qui a gagné un match, c'est pour la victoire, il te dira. Parce que personne n'a mis une équipe pour ne pas gagner. Non. Valdo a tout. C'est vrai quand même qu'on écoute Iron Mike parce que sa connexion va encore nous jouer des tours. Et justement, quand il est silencieux, qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Iron Mike. Il est sur MTN, Mike.
Non. Ah ben, c'est bien. Ah ben voilà, ah ben voilà, bravo, voilà, c'est la meilleure. Il fallait, je comprends pourquoi l'Iron Man jusqu'à présent a du mal, parce qu'il y avait un élément qui n'était pas là ce soir, et évidemment, ouais. Il fallait annoncer l'arrivée du président. Bonsoir, président. Hein? Bonsoir, président. Non, pas président aujourd'hui, il ne faut pas défendre Valdo. Il ne faut pas le défendre, hein, sinon on ne se parle plus aujourd'hui. Il trouve toujours les mots, pour s'empérer. Laissez le président s'installer. Il vous a longtemps écouté et maintenant il prend sa place. Laissez le président s'installer. Vous êtes compliqué. Bonsoir à tous, mes chers frères. Désolé, là, j'avais une petite retenue. Là. Mais bon, il vous a longtemps écouté. Il y a un petit décalage en plus. Vous êtes compliqué. Bonsoir à tous, mes chers frères. Mais normalement, moi, la connexion est bonne. On ne m'entend pas ? Si, on t'entend, président. Oui. La connexion est bonne. Oui, oui. Tu es chez Bouygues, quand on commençait. Ah, voilà. Avant que je me répète. Non, mais comme je dirais que là, bon, Valdo, on n'a pas trop compris, il était un peu embrouillé. Et je dirais que. Il a toujours épié, hein. Ah bon, c'est pas ça. On va laisser le président parler et puis on s'écoute. Mais la chose qui était, je dirais pas importante, mais quand même, il y a eu la qualité du terrain qui n'a pas permis de pouvoir développer un bon jeu parce que à la différence du match précédent, on avait la possession de balle quand même. 60%. Ouais, mais quand même, quand tu regardes… Pour le Congo. Hein. Ouais, mais bon, si tu peux dire sur la globalité, mais sur le jeu, on avait la possession de balle puisqu'on a pu faire courir quand même le ballon. Il y a eu des déchets, il y a quand même un peu de déchets techniques. J'irais même moins que le match aller. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait… Il y avait beaucoup plus de maîtrise dans ce match-ci malgré un terrain qui était beaucoup plus difficile. On a vu des joueurs comme Ndoki qui a tenu aussi son rang, contrairement au match aller où il était un peu l'ombre de lui-même. Donc, ils ont pu quand même maintenir le ballon. Bon, essayer de crier, mais à la fin, je crois que le schéma de jeu s'est envolé. Je ne sais pas si c'est entre le bus et arriver sur le terrain ou à la mi-temps, il n'y avait plus de schéma. Est-ce que d'entrée de jeu, le classement, ce n'était pas celui-là? Parce qu'on a l'impression qu'il a voulu récupérer ses mêmes forces. Il s'est refusé à faire jouer un Makuta dans l'axe et en même temps il le voulait absolument en première mi-temps. Du coup, il a balancé de l'autre côté, à droite, pour pouvoir titulariser un Tibota. Est-ce que là-dessus, ça peut-être pas été son erreur alors que. Pour pas être trop long, je l'avais dit, puisqu'il avait déjà mis Gonvoula comme capitaine. Il avait Ibarra. Donc il fallait qu'il mette déjà ces soldats qui font partie maintenant de sa garde rapprochée, il fallait qu'ils les mettent tous sur le terrain. Oui, mais quel intérêt ces deux joueurs si on sait très bien que c'est les deux faces d'une même pièce et qu'ils vont se marcher dessus et qu'ils ne sont pas complémentaires. Il y en a pas qui peuvent jouer en faux neuf autour, donner de la vitesse, accélérer les ballons ou être à la retombée. Enfin, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça, à un moment, je pense qu'il y a un moment l'a perturbé. Raison pour laquelle il a fait beaucoup de changements cette fois-ci, mais ça l'a perturbé. Et donc, il ne savait plus, parce que si tu mets deux joueurs d'appui, à un moment, ça ne va plus, tu vas en retirer un, mais l'autre sera fatigué, donc il n'aura plus d'inspiration pour les autres. Est-ce que d'ailleurs, c'est parce qu'on a vu à la fin du match, où, pour le coup, en fin de match, on avait besoin d'un garçon qui tenait le ballon, qui était capable d'orienter le jeu, typiquement un neuf, soit un Ibarra ou un Gonvoula, au final il les sort tous les deux, on se rend compte qu'il n'y a plus personne pour pouvoir faire des blancs ballons et pouvoir tenir et faire remonter le bloc. C'est là où il avait perdu la feuille, tu vois, la feuille, les notes, il avait perdu. J'ai pas compris la sortie de Tibota et surtout j'ai pas compris l'entrée. J'ai surtout pas compris l'entrée d'un garçon comme Avounou, même si c'était peut-être venir densifier son milieu de terrain, protéger un peu plus, parce que les essentistes venaient un peu plus
elle voulait aussi prendre l'ascendant. Mais au final, la sortie de Thibautat, j'ai l'impression que dès qu'il est sorti, il n'y avait plus d'accélération. Il n'y avait plus de cette vitesse qu'on retrouvait là sur le côté, là, avec Bissiki d'ailleurs, qui a fait un bon match. Hein. On a vu que ça marchait. Il y avait des relais, il y avait des 1-2, ça bloquait son couloir et l'autre est joué son rôle de d'ailier. Mais dès qu'il est sorti, on a l'impression que ça a cassé quelque chose. Bah oui, dès que Thibautat est sorti, on a vu comment Bisiki se faisait maintenant aspirer parce que bah, devant, c'était plus le même jeu. La présence et l'impact que mettait Thibautat n'étaient plus là. Parce que en faisant rentrer un Mackessé, voilà, c'est un garçon qui a marqué, qui va vite, mais c'est pas, il va vite, il faut le lancer à chaque fois. C'est peut-être ça le problème. Il faut lui donner des Oui, ballons dans l'intervalle dans la profondeur. dans lequel il va pouvoir accélérer, prendre le dessus. À chaque fois qu'il a marqué, c'était ça. On l'envoyait des ballons où on savait très bien que l'adversaire avait déjà un cran de retard. Et ça lui permettait d'assurer, via sa vitesse, une ascendance sur les défenses. J'ai envie de tourner vers Tito, oui, quel avis? Et le Mais jeu. son changement, pourquoi on ne le comprend pas? Il le sort parce que je pense que ouais, il a Lequel? porté la percussion. Thibautat, il a porté la percussion en première période, tout ça sur son côté. Mais la dernière passe, il a eu trop de déchets sur la dernière passe. Je pense que c'est pour ça. Et il y avait un peu de nervosité à chaque fois qu'il ratait la passe, il faisait des gestes d'humeur. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je pense que c'est pour tout ça que le coach l'a sorti. Mais ça reste une erreur du coach. Un joueur comme ça, tu le remets d'un peu en deuxième période, tu lui dis, allez, c'est pas grave, tu le remets. Il y a notre ami Didorel Mabika que l'on salue, qui nous suit, qui réagit, qui dit la CAF n'est pas aussi normale. Comment elle peut permettre les Sentinelles de jouer les matchs internationaux sur un terrain bizarre comme ça? Faudrait peut-être rappeler à notre ami Didorel que le Sénégal est allé gagner sur ce même terrain-là. Donc, si Difficilement, peut-être ils ont difficilement, mais ils ont gagné. Et le match d'hier du Sénégal, pour ceux qui l'ont gagné. suivi, c'était pas non plus Mais sur très un terrain qui difficilement. était exceptionnel. Donc, quand on peut avoir des classements cohérents, on peut produire un jeu qui permet de marquer des buts. Voilà. Jarvis, on voudrait quand même avoir ton avis sur le jeu. Si on doit poser la question de savoir quelle est son identité de jeu de Valdo, en tout cas avec le Congo. Quel est son style de jeu? C'est deux pointes. Je C'est crois quoi qu'il ton style de jeu? a dit c'est deux pivots un peu comme au basket. Voilà, ça m'a fait penser Duncan et Robinson au début des années 2000. à l'époque, la grande équipe de Sacramento, San c'est l'université Antonio. San Antonio Spurs. Antonio, merci, qui a Ouais, quand gagné il y avait la les tours comme ça, jumelles. les tours jumelles qui assuraient Ouais. derrière la finition. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas chez le Congo. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne joue pas au basket, on joue au foot. C'est Quel ça, ouais. intérêt d'avoir deux pointes comme ça Et encore au basket, quand tu mets deux bons intérieurs, t'as au moins un meneur de jeu, t'as au moins un meneur de jeu, ou t'as même les ailiers, mais là, il nous a mis deux intérieurs, là, deux dunkers, mais il y avait même pas trop à prendre un alley-oop, en fait, tu vois, donc, Il y a Loïc qui nous dit le style de jeu, il le cherche encore. On est jusqu'à à quand? la moitié des. Non, on n'est Parce pas à la que moitié. Il nous reste deux il matchs. est presque au terme de son contrat, il cherche encore un style de jeu. C'est le. Après, pour apporter aussi un éclaircissement sur Thibautat, il n'a pas joué pendant un moment. Donc, il en manque de rythme. Tu vois, il y a de tout ça, en fait. Donc, après, soit tu le fais rentrer ou il y a des choix à faire. Donc, sur Mais Thibautat, avec du qui sélectionne recul. les joueurs qui sont en manque de rythme? Qui les sélectionne? Sur quels critères? Non, mais après, les joueurs congolais, On il n'y revient a plus. sur Valdo. Non, on ne revient pas Pour une forcément sur suite. Valdo. On revient pas forcément sur Valdo parce que. À part Silver, qui est censé avoir du rythme, on n'a pas vu grand-chose aussi sur deux matchs. La plupart des joueurs congolais manquent de rythme. Pour les mecs qui jouent en Bulgarie, ils ont pris trois avions, quatre avions en moins d'une semaine. Tout ça aussi, ça fait partie de la galère. Hein. Un Thibautat bijou, et bijou. Maziku, ils ont fait leurs villes respectives. Sofia, Francfort, Addis Abeba, Brazza, et après ils reprennent un avion
pour comment ça s'appelle la capitale de l'Eswatini? Abonné. Ouais, en moins d'une semaine. C'est, tu vois, il y a toutes ces choses-là aussi à prendre en compte, tu vois. Frapper sur Valdo, je suis le premier, hein, fusil à pompe, batte de baseball, mais là, c'est vrai que les joueurs, ils manquent un peu de rythme. Mavis, il a eu un Covid, un vrai Covid, hein. Lui, il n'était pas juste, il n'était pas symptomatique. Vini aussi, il n'a pas joué pendant un moment. Les voyages et tout ça se ressent. Tu vois, les changements de climat, ils passent de l'hiver ici, c'est compliqué. Oui, C'est compliqué, mais franchement. Et ouais, mais en tu revenant parles sur de Vini. le Oui. Valdo, il n'a aucun style de jeu. Il a aucun style de jeu. L'équipe, elle n'a aucune identité. Très bien. On va avancer, on va avancer. Je reprends un peu la main parce que c'est important. Je rappelle juste que vous avez été très, très nombreux, très, très nombreux à participer au jeu Foot à Gogo. Qui s'est tenu avec nos partenaires du BA. Ça a été vraiment un gros succès et on connaît les gagnants. On a mis un article sur DRCPF. On espérait les avoir aujourd'hui dans l'émission pour peut-être les faire réagir. En tout cas, s'ils sont connectés, qui se manifestent, on les mettra à l'antenne. Donc, je cite quand même leur nom. Il y a Monsieur Will Kikunga qui a gagné. Il y a Bic Defracatra. Il y a des noms spécifiques quand même. Et il y a Animo Prestige Wembat qui aussi a gagné. Donc, ces trois personnes ont gagné des lots. Voilà. Donc, on avait dit, il y avait les trois gagnants dans ce jeu qui s'est déroulé depuis le 9 jusqu'à hier. Donc, aujourd'hui, on a connu les résultats finaux. Voilà. Gagne donc une carte prépayée, une carte bancaire. C'est pas une carte prépayée. C'est une carte bancaire d'une valeur de 25 000 francs, CFA, puisqu'elle est valable 2 ans et réutilisable avec à l'intérieur, 25 000 francs en plus. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et je pense que moi, à leur place, je serais bien content de les avoir. Ça me permettrait d'aller m'acheter un petit verre de jus du côté de Pointe-Noire ou de Brazzaville et de pouvoir savourer un petit moment avant le couvre-feu, bien sûr. Parce que rappelons aussi à Brazza, nos amis aussi au pays, ils connaissent le couvre-feu. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, toutes ces personnes nous ont contactés en nous invitant à ces personnes-là de nous recontacter pour mettre à disposition en contact, leur dire comment faire pour récupérer leur lot. Évidemment, ils pourront nous renvoyer la petite photo pour prouver que tout ça s'est bien organisé et qu'on ne les connaît pas. Parce que certains commentaires étaient en train de se poser la question dans quel cadre. En tout cas, vous aurez la possibilité aussi de pouvoir avoir un témoignage de ce retour. On espère aussi, si vous êtes nombreux, pourquoi pas prochainement, ce jeu va pouvoir être remis. Si jamais nos partenaires estiment qu'il y a un engouement et que derrière, vous l'avez montré comme durant cette semaine, que derrière, il y avait la possibilité de soutenir et en les soutenant, c'est soutenir aussi des RCPF. Donc ça, c'est aussi important de passer ce message-là et félicitations encore aux trois gagnants et on les invite à nous contacter pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait pour pouvoir obtenir leur lot, leur expliquer comment aller récupérer leur lot auprès de UBA Congo. Voilà, c'est passé. Alors, on va passer sur notre sujet. On n'avait pas que Valdo aujourd'hui, on avait aussi donc le sujet sur Mazikou, des débuts reportés. On s'attendait tous que ce garçon soit titulaire et on l'avait annoncé. Patatras, le Covid est passé par là. Ça aurait pu être pire, hein. On aurait pu avoir plusieurs cas et Dieu merci, c'était un joueur un gardien de but, Chancel Massa, qui de toute façon n'était pas parti pour jouer ce match. Donc ça, dessus, il n'y a pas eu d'incidence, mais Mazikou, des débuts reportés une nouvelle fois. Quelle impression, président? Et on va devoir patienter encore pour pouvoir espérer voir ce garçon tenir une place de titulaire avec les Diables Rouges. Titulaire, je ne sais pas, c'est un bien grand mot, hein, titulaire. Je vous ai En dit tout cas, il le. était parti pour, hein. Il était annoncé titulaire dans le classement que nous avions donné sur DRCPF. Il était titulaire. Ah, donc là, le coach avait vraiment avalé la feuille. Ah Parce que bah, si. le seul changement qui s'est opéré, ça a été celui de Bisiki. Nous l'avions annoncé, la compo probable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent sur DRCPF. Quand on annonce la compo probable, on a 99% que ce soit cette compo-là. Sauf vraiment, ben, pour le coup, ça a été cas Covid, les tests sont tombés, il a été malheureusement. Voilà. Donc ce garçon n'a pas, ne serait pas, ne prétend pas une place de titulaire? Non, non.
Arjo, on parle d'un poste le plus important. Bon, on va encore prendre référence. On a vu la France se faire taper par la Finlande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis les choses en place. Didier Deschamps, il n'a pas tergiversé. Il a dit, c'est le risque. Les mandanda, tu es bon. Un jour, tu es bon. Un jour, tu es pas bon. J'ai pas le temps. Mon gars, sur les matchs chauds, ces trucs, les matchs d'exhibition pour la Fédé, là, on met les gardiens d'exhibition. Les vrais matchs, on sait aujourd'hui, c'est Mafumbi, le titulaire indiscutable. Et moi, pendant le match, j'ai essayé de voir comment il dirigeait sa défense. Ah, je l'ai vu appeler ses soldats. Quand il demande à OCT de prendre la place de l'autre parce qu'il est plus grand, de dire que toi, tu dois être là. C'est un match qu'on a failli perdre. Hein. Il y a eu une barre, une transversale. On a failli revenir vraiment la tête dans tous les états. Et là, il voulait changer le coach. Mais là, le Covid nous a aidés. Vous ne vous en rendez pas compte. Que s'il avait changé de gardien, rien que ça allait Non, changer non, la. on ne parle pas de changement de gardien, là. On parle de Mazikou, président. C'est Mazikou, là, Ah, dont il s'agit. Et d'accord. Chancel Massa, ce n'était pas le titulaire. Donc, il est tombé malade, mais il n'était pas parti pour être titulaire. On ne parle pas de. Bon, le sujet, c'est Mazikou. Non, donc encore Mazikou, bon, après, c'est les aléas. Mais là, sur le match, comment ça s'est. La défense a été en difficulté. On a senti la défense en difficulté. Mais bon, moi, c'est plutôt sur son turnover. J'ai pas trop capté. Est-ce que ça l'a perturbé, le fait de ne pas pouvoir mettre la feuille qu'il avait prévue? Peut-être, hein, ça peut être ça. Il y a eu un joueur. Hein. Si on parle de son 11 de départ, ça s'est fait un joueur près. Et c'était Bisiki qui avait fait un bon match. Tu te dis que tu enlèves Mazikou pour mettre Bisiki qui t'a fait une passe D, finalement qui a fait un très bon match. Donc tu peux t'estimer heureux quand même. C'est pas comme s'il avait perdu 10 joueurs de champ. Là. Ouais, mais sauf que généralement, bon, de ce que je retiens au sport, hein, pour ceux qu'on coachait, qu'on manageait, quand tu es parti avec une équipe ou un joueur qui t'a fait gagner, évite de changer. Parce que tu perds la confiance des autres joueurs aussi. Parce que les autres joueurs vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être maintenu dans le groupe? Si lui, il est bon, on le change. Donc le gars, il va se poser des questions parce que là, tu vas faire cogiter toutes tes équipes. C'est que quand tu as des joueurs comme ça, on a vu Bissi, on a beau parler ce que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Le mec, il a fait sa passe D, il avait fait plus ou moins son boulot, quelque part. Donc à un moment, il y a une ossature que tu dois apprendre à garder. Donc, On l'a vu. pour reprendre à la question du débat, pour toi, ça n'a aucune incidence des débuts reportés de Mazikou, ça change rien, on le verra plus tard. Non, plus tard. Là, c'est important. Là, vous vous rendez pas compte, ces 4 points là. Très Il bien. fallait ces 4 points. Ces Très quatre bien. points. Je me tourne vers notre ami Derek, l'inspecteur. Quel avis? Alors, des débuts reportés pour Mazikou, oui, mais ce serait quand même, vu l'importance du match, ça aurait quand même aussi été risqué d'entrée de jeu de le mettre titulaire. C'est vrai qu'on a vu ses Il était performances parti en pour être club. titulaire. Oui, mais moi je pense que ça aurait été quand même quitte ou double de le titulariser, même si c'est ce qui était prévu. Après, c'était un risque à prendre, Et il mais je avait pris pense ce que. risque d'ailleurs. Comment? Oui, il Il l'avait avait pris. pris ce risque, oui. Oui, mais je pense que, ben, pour une fois. On reproche souvent à Valdo de ne pas prendre ses responsabilités. Pour le coup, là, il l'a pris, mais Covid est passé par là, dommage. Mais je pense que c'est vrai qu'on a vu les performances de Mazikou en club, mais on ne sait pas sur le papier, dans un match d'une telle importance, ce que ça aurait donné. Peut-être qu'il Est-ce que ce n'était est. pas justement le match qu'il fallait? Parce qu'on sortait d'un adversaire qu'on devait recevoir deux fois et dont on avait pris une ascendance psychologique en gagnant Oui, déjà. Donc il y avait mais une c'est. forme de. Voilà, c'était le meilleur moment pour le faire débuter. On ne va pas le faire débuter comme quand vous êtes dos Moi, au mur et que vous êtes obligé de gagner. Non, mais moi j'aurais dit, c'était un match qui, si on l'aurait gagné, nous aurait libéré pour le troisième match. Et à ce moment-là,
Ça aurait été intéressant de relancer Mazikou. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien parce que ça lui permet non seulement aussi de mieux faire son trou dans l'équipe, de s'acclimater au contexte aussi. Voyez-vous comment déjà, même les joueurs qui sont habitués à jouer en Afrique. Il est resté à l'hôtel en autant de regarder le match depuis la télé. Merci. Je vais tourner quand même parce qu'on est nombreux, le temps tente de se filer. Ouais. Je vais aller quand même vers notre ami Tito qui a reçu sa commande Uber. Donc, avant qu'il puisse nous s'éloigner de nous, on va quand même connaître son point de vue sur ce cas de Mazikou des débuts reportés. Oui, les débuts reportés, on les attendait tous, ces débuts. Moi, je m'attendais à une paire Mazikou-Tchibota. Je m'attendais à une paire plutôt explosive, mais bon, Covid est passé par là. Quoique, on est Congolais, on reste Congolais, il faudrait se poser des questions sur ce poste-là quand même. Parce que c'est un poste, quand même, on reste Congolais, c'est un poste assez. On a déjà eu beaucoup d'hécatombes sur ce poste-là. Ah, ça se posait des questions. Là, j'essayais de tourner le nom Bisiki, Bakissi, c'est Ah pas bon, faire. ben, c'est Mais facile ça comme jeu pour sortir de la superstition, je pense que Bisiki, il a tenu le match quand même. Il a eu quelques erreurs, mais il a tenu son match. Il n'a pas eu la réussite comme sur le match aller sur ses centres. Mais bon, Mazikou, dommage. J'espère que ça ne va pas le décourager. Contre la fatigue musculaire. Et la COVID. J'espère qu'il reviendra contre le Sénégal et voilà, plus en forme. Et puis que la COVID va nous laisser tranquille et que Bisiki, s'il lui plaît, ou que Bado garde Bisiki. Je pense que ça tombe au même moment que. J'y arrive pas. Désolé. Je pense que ça tombe au même moment que la chaîne en plus, non? Ou la chaîne vient avant. Oui, le Chan, il va arriver en février, fin Février. janvier, début février. Et je reprends l'avis de notre ami Iron Mike avec qui a remis sa casquette, mais décidément. Et ça Tout va couper. écoutant, sur l'avis Mazikou, on va aller vite, hein, parce qu'on a d'autres débats quand même et le temps c'est tchol là. Mazikou, je dirais juste que c'est un rendez-vous manqué, mais vu le talent qu'il a et vu la concurrence qu'il y a sur ce poste, je n'ai aucun souci à ce qu'il puisse très vite prendre ses marques. Surtout si on parvient à virer celui que nous avons comme sélectionneur et qu'on met un sélectionneur un peu plus sérieux qui vienne avec une véritable vision de football. Je pense que Mazikou est parti pour un bon moment pour être titulaire à ce poste-là. Ce n'est pas parce que Kesha nous a fait dernièrement une passe décisive que l'on va complètement oublier Est-ce que c'est l'immensité de ce une passe décisive comme cette arachide qui traînait par terre? C'est dans le même cadre? Oh, mais ça, c'est le hasard. Tu sais, Kesha, malheureusement, c'est le couteau le moins aiguisé que nous avons dans le tiroir, hein? Donc, on s'en sert juste parce qu'on n'a pas d'autres couteaux beaucoup plus aiguisés. Ben, dis donc, il était parti sur sa lancée. Je crois que les dieux d'Internet n'ont pas voulu laisser aller au bout alors qu'il était en train de nous. Commencer à nous faire un petit bonbon. Guy Roland qui n'est plus là, pardon. Congo Boys, ton avis? Mazikou, des débuts juste simplement reportés? Bon, Mazikou, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc, c'est dommage, voilà, que, comme on l'a dit, hein, le Covid, personne n'est à l'abri de cette pandémie qui frappe tout le monde. Donc, je sais qu'à l'avenir, et merci Tito de nous dire que Valdo se fait son dernier match. Donc, on ne le Mais verra pas au Sénégal, son logiquement, contrat hein, prend fin, parce que ce n'est pas l'homme qu'il si faut, on l'a vu en janvier. Donc en aujourd'hui, janvier. Le prochain match c'est en jeu, mars, c'est en c'est mars, 2021. c'est Si le ce mois n'est de pas, mars. si c'est pas au mois de. Non, non, En mars, c'est c'est quoi mars. l'éliminatoire du mondial? C'est pas ça? D'accord, donc c'est en mars. Donc, s'il vous plaît, normalement, donc pour le contrat de Valdo, si la Fédé aime le football et aime l'évolution du football congolais, ce Ça monsieur ne fait doit plus être beaucoup là. Enfin, d'adjectifs dans selon une même moi, bien phrase, sûr. condensée. Non, mais si les instances du foot congolais veulent l'évolution du football congolais,
qu'ils arrêtent leur manigance et que Valdo nous a montré ses limites, ne doit plus être là. C'était le parenthèse. Pour ce qui concerne Mazikou, c'est l'avenir à ce poste, en tout cas au poste de latéral gauche. Donc, comme a dit Aaron Mike, je m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète pas pour lui. Valdo lui a donné en plus quelques secondes un peu pour participer à la fête au match aller. Donc voilà, il rentre en club avec le statut d'international. Donc voilà, ce n'est que partie remise et à la longue, on aura l'occasion de le voir un peu plus longuement. Voilà, sachant qu'en plus en club, il est titulaire, il montre des bonnes performances. C'est l'un des en plus des joueurs les plus rapides du championnat bulgare aussi. Donc, on a une bonne paire, on a une bonne pioche à ce poste-là. Donc voilà, je m'inquiète pas pour lui, ce n'est que partie remise. Très bien. Bon, on va passer au sujet suivant. Mayembo Itua, troisième clean sheet d'affilée. Jaris, voilà, on peut dire que c'est les patrons. On cherchait des patrons, mais au final, les vrais patrons sont derrière. C'est eux qui tiennent la baraque. On avait les deux paires, on a les deux tours jumelles derrière, mais on a surtout nos deux tours. En fait, on a nos fondamentaux derrière qu'on ne voit pas, parce qu'on voit toujours les deux tours de devant. Les deux tours de Pila. Oui, si vous voulez, les deux tours de Pila. Ouais, troisième clean sheet. Après, moi, c'est une bonne chose. S'il y a des automatismes qui se font, c'est une bonne chose aussi. Si on peut au moins avoir de la stabilité à un poste ou à un endroit du terrain, on prend aussi. Après, j'attends de les voir contre des plus gros adversaires pour vraiment, vraiment, vraiment me réjouir. Mais c'est vrai que ouais, c'est un point positif à relever de ces journées FIFA-là. C'est bien Mayembo et Itua. Oui, c'est vrai que c'est la défense qui mérite. Président, la paire Mayembo Itua, 3 clean sheets. Je ne sais pas de mémoire, je sais pas la stat. Si quelqu'un là, la dernière fois que le Congo a aligné 3 clean sheets, c'était pas avant 2015, et même encore en 2015, on encaissait beaucoup de buts sous l'ère Leroy parce que c'est un joueur, c'est quelqu'un dans la philosophie, c'était d'en marquer plus que l'adversaire. Donc on pouvait s'en encaisser. 3 clean sheets d'affilée, président, quel avis? J'avais dit, faut au moins avoir une ossature. À un moment, il faut la trouver. Donc, on était déjà dans le vrai avec Mayembo. Et là, avec Itua, ils vont confirmer leur charnière. Donc, maintenant, ça veut dire que là, faut s'appuyer sur cette ossature. Faut pas essayer de vouloir encore la changer. Je pense que là, il y a une base qui a été créée. Donc maintenant, il faudra s'appuyer sur cette base existante. Et c'est pour ça que je dis avec le gardien aussi, parce qu'ils ont beaucoup communiqué. Hein. Lors des coupes arrêtées, là, on a vu beaucoup de communication. Mafou, il a fait tout pour se faire entendre, pour que les mecs, ils se fassent vraiment entendre. Donc là, il y a que... On a déjà trouvé une base. C'est-à-dire que tu sais, pour reprendre tout à l'heure, tu parlais des Spurs avec Robinson et Duncan. Duncan était un fou intérieur parce qu'il était capable de marquer à 3 points. Donc, c'est la différence qu'on aura. Si, Duncan, il pouvait te mettre des tirs à 3 points. Or que nous, la différence qu'on a sur notre attaque, c'est qu'on n'a pas l'attaquant qui va pouvoir percuter et faire vraiment… pour pouvoir changer de position avec l'autre attaquant. Donc, c'est juste ça. Mais sur Itua et Mayembo, non, on a trouvé une bonne paire qu'il faut maintenant consolider, trouver les joueurs qui pourront être à leur côté. On a un trio, je vais dire. Là, on a un trio avec le gardien de but. Maintenant, c'est de savoir, si on dit, comment s'appelle, Mazikou ou Bissiki. Très bien. Il y a notre ami Mike qui nous dit cette ossature en défense, il faut trouver un sparring partenaire pour la tester. En effet, c'est comme ça aussi. Hein, c'est des,
C'est en croisant le fer avec de meilleurs adversaires qu'on arrive à s'améliorer. Jarys, Mayembo, je ne sais pas si ouais, tu as déjà donné ton avis, pardon. Gloire, tout à l'heure, tu étais en train de gérer ta commande d'Uber aussi, mais revenons un peu sur cette paire Mayembo et toi. Trois clean sheets d'affilée. Non, moi c'était pas commande du beurre, moi c'était autre chose. Ok, voilà. Non, cette défense-là, déjà comme faut le souligner, c'était une défense aussi qu'on avait vue sous l'ancien sélectionneur Sébastien Migné, qui commençait aussi à prendre certains automatismes. Là, Valdo, en tout cas, on peut dire, c'est une bonne trouvaille pour lui, en tout cas. Ça, on va pas aussi lui enlever. C'est une défense, c'est voilà, deux joueurs voilà, qui ont des automatismes, qui arrivent à stabiliser la défense. Et aussi Mayembo, des fois, qui sait aussi faire monter son bloc, faire monter le bloc bah, avec des montées de balles. Donc voilà, donc c'est une défense sur laquelle il faudra compter sur l'avenir. Juste voilà, si Itoua, je pense, avec tout le respect que j'ai pour le championnat où il joue, s'il pourrait aussi trouver un club un peu plus, voilà, un meilleur championnat pour, voilà, pour être un peu plus visible. Mais sinon, au niveau de la défense, il y a rien à dire. Après, voilà, on sait tous, certains diront que oui, il faudra trouver un adversaire un peu plus huppé. Mais déjà, face à des adversaires de notre niveau ou qui sont à notre portée, il faut savoir aussi ne pas en encaisser. Et voilà, la défense a tenu son rôle, les poteaux aussi, le gardien aussi ont joué leur rôle. Donc voilà, continuons sur cette base-là. Défensivement, déjà au niveau de l'axe et du gardien, il y a une assurance. Donc maintenant, c'est un peu plus haut, avec, je pense, quelqu'un qui connaît bien son métier pour trouver maintenant les trouvailles et mettre les joueurs à la place qu'il faut. Très bien, merci. Je ne sais pas si Tito a réagi sur ce sujet. Mayembo et toi, troisième clean sheet, qu'est-ce que ça t'inspire? Troisième clean sheet, j'ai trouvé Mayembo sur ces deux matchs très serein, très solide. Et toi aussi, c'est une bonne paire. On a une bonne base avec le gardien qui prend de l'assurance. On disait que le jeu aérien, les sorties aériennes, c'était pas trop son point fort, mais j'ai trouvé qu'il a été plutôt pas mal aujourd'hui, qu'il a pris plus d'assurance le gardien. Et même, comme le président disait, il parle beaucoup avec ses joueurs, quand ils forment le mur et tout ça. Mayembo, c'est un joueur qui joue beaucoup dans l'anticipation. Donc pour lui, il faudra surtout faire attention, souvent, quand il monte vers le milieu de terrain, de s'assurer qu'il y a quelqu'un derrière lui, parce que si ça passe, c'est le but assuré. Ensuite, Itoua, le seul bémol sur Itoua, c'est qu'il cherche à trop relancer, jouer des balles longues et il n'a pas la qualité pour. On a vu toutes les relances longues qu'il a essayé de faire. Il n'y a aucune qui est arrivée à destination. Et toi? Donc, qu'il a se prendre pour Bonucci ou Ramos et qu'il joue dans les pieds, ça serait mieux. Après Mayembo, le seul bémol pour Mayembo dans son jeu, c'est souvent par moment il se déconcentre. Il y a un moment à la fin du match, il fait une remise dans la surface au lieu de dégager. On ne sait pas pourquoi et ça a mené une action dangereuse, je crois, un corner. Il réclamait même un penalty, les joueurs des Swatini. Mais sinon, pour moi, Mayembo Itoua, bonne défense. Et je m'inquiète pour Kibomba, qui était plutôt vu comme le deuxième joueur dans l'axe. Est-ce que Kibomba y reviendrait ou pas? Quel serait son rôle à Kibomba, d'autant plus qu'il y a Elon. C'est un garçon talentueux qui, dans la progression, est assez, on va dire, freiné par les blessures, parce que c'est un Blessures. garçon qui normalement, voilà, se retrouve déjà en équipe. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il est en. Non, ça fait 2 ans, je pense, qu'il est. Deux ans après les 2 ans qu'il est à problèmes. Séville. Et normalement, il aurait pu, au regard de ses prestations au début, il aurait pu se faire prêter dans un club moyen de première division. Mais bon, on espère vraiment que ce garçon qui est pétri de talent puisse retrouver tous ses moyens pour pouvoir jouer un football de qualité. Parce qu'il a, il, là, côté relance, c'est un vrai garçon qui sait relancer des ballons proprement. Je ne vais pas Effectivement. laisser notre ami
d'Eric s'endormir parce que je le sens aussi, hein, il n'a pas l'habitude des rendez-vous du DRCP Show. Évidemment, demain, il y a aussi le rendez-vous du boulot qui l'attend. Ben, est-ce que tu vas il va nous donner son avis sur ce troisième clean sheet? Parce qu'il a beaucoup décrié notre ami Valdo, mais trois clean sheets, c'est Valdo, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Trois clean sheets, c'est Valdo, mais je me pose la question de savoir si c'est pas il ne fait pas que récolter les fruits de ses prédécesseurs, parce que je sais qu'il y a un coach qui est arrivé au Congo il y a quelque temps qui a dit premier objectif, c'est revoir la défense parce que l'équipe du Congo encaisse trop de buts. C'était notre ami Le Champ, mais il voulait qu'on joue à 5. C'était pas du tout la même chose. Et Oui, on n'avait il pas n'a les joueurs peut-être pour non plus. on n'avait peut-être pas les joueurs pour, et aujourd'hui, je me demande si finalement c'est pas. Peut-être que c'est ce message-là qui porte aujourd'hui, mais moi je dirais trois clean sheets, c'est bien, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que Chaque quand. fois, votre argument, c'est toujours Oui, cet arbre qui cache la forêt. Est-ce que tu parce que. peux pas t'en assumer aussi que, voilà, que trois clean sheets face à des adversaires qui voulaient aussi prendre des points, qui Parce veulent aussi se qu'aujourd'hui, qualifier, que c'est louable pour une équipe qu'on n'attendait pas? si on n'encaisse pas, c'est pas parce que notre défense a été meilleure, c'est parce que les adversaires en face étaient inefficaces. Face à la Guinée équatoriale, je ne pense pas que c'était le cas. Hein. Enfin, face à la Guinée-Bissau, pardon. C'était pas le même match. C'était pas le même match, c'est vrai, mais quand on parle du match d'aujourd'hui, on l'a vu. Si on n'encaisse pas, c'est parce que les adversaires en face sont inefficaces. Mais le duo Mayembo-Itoi, ils ont fait le boulot, c'est bien. Mais il y a un truc aussi que qui a décrié, ce sont les passes qui se font. Des passes latérales qui se font dans l'axe à tout moment. Surtout quand on voit la qualité du terrain d'aujourd'hui, moi je pense que c'était jouer avec le feu. Et cette défense-là aussi, il faut souligner que il y a aussi la présence de Tsouka qui permet, surtout avec ses replacements, à cette défense de respirer. Donc ce n'est pas seulement Mayembo Itoi, mais Non, c'est on tout parlait le de bloc. l'axe en termes Oui, de c'est vrai, des mais centraux. justement, mais il faut souligner que c'est du solide parce que derrière, il y a aussi Parce qu'il y a finalement des latéraux de qualité, il y a un de Bisseki, qualité. il y a un Tsouka sur les côtés. Exactement, exactement. On va pas leur reprocher ça parce que ce sont des défenseurs, ils font le boulot. Et Très bien. je pense que il serait dans l'intérêt de l'équipe qu'il y ait toujours de la concurrence à tous les postes, même à commencer par le gardien. C'est vrai qu'il a fait le boulot, mais comme d'habitude, notre gardien, à chaque fois, que ce soit sur des sorties, on connaît les limites finalement de nos joueurs et de notre gardien. Il faudrait, je ne vais pas me limiter à. Enfin, on ne devrait pas se satisfaire de ce clean sheet-là et se dire que tout est bon, tout est parfait. Non, il y a encore du travail à faire aussi bien dans l'axe. Que au niveau du gardien de but, on peut mieux Est-ce que tout à faire. l'heure on parlait d'une équipe dont on ne savait pas comment elle avait été construite? Est-ce qu'on peut estimer déjà que quand on reconstruit une équipe ou quand on construit une équipe, c'est la défense? Là aujourd'hui, cette défense, elle est en place. Maintenant, on va devoir remonter, peut-être voir sur les côtés, sur les latéraux, qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment. Mais on peut estimer déjà dans l'axe, on a réussi à trouver déjà deux joueurs qui se complètent, qui communiquent, qui arrive à se placer, qui arrive à compenser les uns les autres, parce que souvent on a vu aussi combien de ballons on peut reprocher parfois cette erreur d'inattention qui est arrivée à Mayembo dont faisait allusion Tito, mais combien de ballons Mayembo a enlevé. Il y a eu une action où il prend le dessus sur l'attaquant qui arrive en pleine vitesse et il rattrape les 2 ou 3 mètres qu'il fallait pour occasionner car l'attaquant était carrément en face au gardien dans l'axe. Donc ça aussi, il faut le dire, la compensation, beaucoup sur le côté
d'où vient l'action, enfin, sur le côté avec Bisiki parfois qui peut avoir ses problèmes de concentration. Et on voit beaucoup Mayembo venir couvrir aussi. Donc, il y a quelque chose à faire. On va avancer sur le prochain sujet parce que je sens que le président s'impatiente et que pour le moment, il n'a pas le regard fixé Mais juste vers pour finir, moi j'aimerais bien voir cette défense-là face à une équipe comme le Sénégal ou la RDC, mais on la verra. en souvenir de la CAN, pour juger de leur performance. Il reste deux matchs, à mon avis, ces deux joueurs-là, sauf Hécatombe, sauf cas Covid, mais on ne souhaite pas ça parce que la réalité d'aujourd'hui ne sera pas la réalité du mois de mars ni de 2021. Donc, on espère que des joueurs sur lesquels on peut parier aujourd'hui, qu'ils aient leur forme dans quelques mois. On va passer au sujet Tibota, vous l'avez vu. Tibota, bon, il a fait une entrée qui était plutôt convaincante au match aller à Brazzaville. On est titulaire finalement à Baban ou à Babané, ça dépend comment on le prononce. Et notre ami Iron Mike est revenu uniquement pour ce débat. Est-ce que Iron Mike Tibota a marqué des points ou pas en sélection? Ouais, il a fait une bonne entrée, Tibota, mais bon, je pense que Tibota, il lui manque encore son premier but en sélection. C'est ce but qui va sans doute le mettre sur les rails. Mais c'est un garçon que je pense que, au regard de l'effectif que nous avons, Tibota, c'est un garçon qui mérite de partir dans le 11 de départ. Sauf s'il y a une stratégie particulière du coach qui voudrait qu'on puisse le relancer en deuxième période, mais c'est Tibota ne doit pas être dans le dispositif offensif actuel une roue de secours. Ça doit être plutôt une arme à la disposition de l'équipe dès l'entame du match pour faire mouche très tôt. Très bien. Président Thibautin, quel avis? Bon, on va dire Tibota, il fait partie de l'avenir. Donc, je pense qu'à un moment, il sera obligé d'être mis dans le 11 de départ. Ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc, à un moment, il sera mis maintenant. Après, c'est pas seulement le but qu'il aura besoin. Ça sera, je pense qu'il y a besoin de te mettre tous en confiance. Et je pense que certains joueurs de l'équipe nationale, je pense qu'à un moment, ils vont gagner cette confiance et cette relation aussi. Parce que faut pas qu'on oublie une chose, c'est que une équipe nationale a besoin de relations à un moment. C'est dire, faut qu'il y ait des joueurs qui ont l'habitude de se côtoyer. Sinon, on va toujours parler des mêmes choses. Si on fait plein de changements, c'est qu'on a besoin de créer une ossature maintenant à des postes clés. Faut que des joueurs se révèlent à certains postes pour qu'on puisse baser cette ossature. Maintenant, je pense que oui, Tibota, maintenant, il commence à devenir un de ces joueurs, à devenir un de ces joueurs clés sur lesquels on peut compter. Et donc, je pense qu'il va faire partie des joueurs où on va commencer à bâtir une réelle ossature, où on va pouvoir commencer à voir réellement l'avenir avec eux. Puisqu'il a montré, il est capable de faire du changement de direction. Il manque encore un peu plus de confiance et on va arriver à quelque chose. Et de toute façon, bon, comme on cherche à savoir, ben, on n'aura pas le choix face au Sénégal. Hein. Il y en a, il faudrait qu'ils sortent les vers du nez. Hein. Là, ça y est. Là, je dirais, c'est un mal pour un bien qu'on commence comme ça. Maintenant, le plus gros y arrive. Le Sénégal est déjà qualifié puisqu'ils ont battu 1-0. La Guinée-Bissau. Donc, eux, ils sont déjà qualifiés. Donc, eux, ils vont jouer sans pression. Donc, ça se trouve que leurs titulaires d'habitude, peut-être qu'ils seront pas là. Mais bon, c'est pas sûr parce que il s'est fait tirer les oreilles, si c'est la dernière fois pour le match qu'ils avaient fait là. Il y a eu un match qui s'était pas bien passé et on lui avait un peu tiré la sonnette d'alarme là. Mais je pense que il y aura cette, confiance qu'auront les Sénégalais qui vont peut-être nous aider à aller chercher un bon match nul. Après, il faut rappeler que le Sénégal, il y avait beaucoup de titulaires habituels qui étaient blessés. On parle au milieu de terrain des Ganagué qui n'étaient pas là. On en voit pas mal. Je vais passer la parole à notre ami Derrick, parce que je sens qu'il va bientôt nous laisser.
Thibauta a marqué des points ou pas? Oui, je pense que Thibaut a marqué des points. C'est vrai que il a pêché un peu dans le dernier geste, mais il a grappillé quand même des points. D'autant plus que je sens comme dans un jeu une forme de crispation, comme s'il avait de la boule au ventre. Parce que pendant longtemps, on a eu comme l'impression que ce garçon-là, malgré ses performances, a longtemps été le mal-aimé de la sélection. Je pense qu'avec plus aujourd'hui, en le titularisant, Valdo lui a témoigné comme une confiance. C'est aussi une façon de l'impliquer davantage, faire comprendre que on compte sur lui aussi dans cette sélection. Et je pense que pour les échéances à venir, il va de plus en plus se sentir concerné et s'impliquer davantage. Et il fait partie de l'avenir. Il marque des points. Très bien. Vous aussi, hein, dites-nous dans les commentaires, dites-nous si vous pensez que Thibaut a marqué des points ou si vous pensez que la défense, bah, mettez des cœurs, des likes, des j'aime, parce qu'on en a besoin. Pour nous, c'est le seul moyen de se rendre compte que vous appréciez le débat, que vous appréciez les propos qui sont dits. Donc, si vous pensez que Thibaut a marqué des points, que c'est un joueur qui doit être titularisé, qui doit être là déjà au prochain rendez-vous en mars et qui doit être titularisé, bah, mettez des j'aime, mettez des likes. En tout cas, nous, ça nous permet de nous rendre compte que vous appréciez le débat et vous participez. Je me tourne vers Iron Mike parce qu'avant que sa fibre ne puisse encore redémarrer, enfin sa boxe, Thibauta, marqué des points ou pas, parce que rappelons quand même, c'est un garçon qui a demandé, il y a eu des éléments de langage, il revient en sélection là, il a tout approuvé et finalement il fait une entrée et là il était titulaire, un coup franc. Sur le poteau, d'ailleurs, c'est la seule occasion nette, hein, franche du Congo durant tout le match. Donc, à ton avis, il a marqué des points? Avec le micro, c'est mieux, peut-être, Yann Mec. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Thibauta, il a marqué de points. C'est un joueur il a cet avantage-là d'avoir cet aspect technique, à pouvoir traverser les lignes, à pouvoir aller à l'affrontement, à ne pas fuir le 1 contre 1. Et dans des matchs à piège comme les deux derniers matchs que nous avons livrés, où on a forcément un adversaire qui essaie d'installer le mur devant la défense. C'est des joueurs avec ce profil-là dont on a besoin. Le seul regret, c'est que dans le dispositif d'aujourd'hui, Valde les a placés quand même assez loin dans le 4-3-3 qui a été le. Bien. C'est une émission qui sera mémorable. Mémorable dans le nombre de fois où notre ami, dès qu'il a mis sa casquette, Ça, j'étais inquiet. c'est quelle connexion, franchement. Je crois qu'il n'est pas chez. Je crois qu'il est. Il doit Ah, avoir. Non, non, mais ça, c'est pas ça, fait. c'est fric. N'arrêtons pas, ne citons pas des marques pour leur coller la poisse pour rien. Non, à ce point-là, je pense qu'il doit faire un partage de connexion en 2G. En tout cas, j'arrive. Ton point de vue sur Thibauta, est-ce qu'il a marqué des points ou pas? Pour moi, oui. Et je suis pressé de voir Thibauta en meilleure forme physique, en meilleure forme physique, en confiance lors des prochains matchs. Et je vais m'avancer, mais pour moi, ça doit être son équipe, en fait. Je pense que c'est à lui, comme je dis souvent, c'est à lui de prendre le flambeau. Il joue les premiers rôles dans son club. C'est pour moi, je pense qu'on va peut-être assister à la génération Thibota. Donc voilà, je pense qu'il a besoin de confiance, d'être en meilleure condition physique et je pense qu'on verra un très bon joueur et qui sera accompagné de Mazikou normalement lors des prochains matchs. Ça devrait fonctionner, ça devrait donner quelque chose. Normalement, ouais. Et en plus, ils Joueur sont. qui va vite, capable de dédoubler, de combiner. C'est ça, avec un latéral capable de faire des 1-2, bien prendre le couloir, bien pouvoir le lancer, ouais, avec une autre intelligence de jeu, ça serait pas mal. Donc moi je pense que ouais, c'est à lui de prendre ses responsabilités, fait partie de ces gars-là où il y a beaucoup d'attentes et ouais, ça doit être aussi en partie son équipe maintenant, à lui de jouer quoi. D'accord, très bien.
Et d'ailleurs, avec le retour d'un Bifouma en forme, peut-être que ça nous permettrait enfin de revoir Gaius en milieu, parce qu'on aurait Tibota et Thiévy, du coup, sur les côtés. Très bien. Congo Boys, tu t'es pas exprimé encore sur ce cas Tibota. Quel regard tu poses sur le joueur, sur ses prestations pendant ces doubles confrontations? Oh, que prestation, techniquement, on sent que le joueur a du volume de jeu. C'est un joueur voilà, qui percute, qui dribble, qui amène aussi cette vitesse. Donc, marquer des points, oui, il a prouvé que marquer des points, ouais, on peut dire ça. En tout cas, sur le match aller, plutôt, il a prouvé qu'en tout cas, que voilà, qu'il pouvait apporter cette percussion, cette vitesse, et aussi cette qualité voilà, de combinaison avec certains joueurs. Il est toujours mobile, disponible. Après aujourd'hui, moi, où le seul reproche que je peux lui faire aujourd'hui, c'est voilà, c'est dans le dernier geste. Des fois, c'était le dernier geste, soit la passe loupée ou peut-être la touche de balle de trop. Mais c'est un joueur à l'avenir avec lequel on doit composer parce que c'est une arme offensive qu'on a et il faudra pas s'en passer. Et voilà, quand je pense qu'on aura des Thiévy qui viendront, qui seront en forme, quand on verra bien Makuta aussi à la distribution dans son registre, avec aussi une pointe disponible et tout. Donc, je pense que ça promet pour la suite. Mais bien sûr, il faudra du temps. Les automatismes ne se font pas en 2-3 matchs. Il faudra que Tibota soit régulièrement dans les 11 de départ, qu'il connaisse les adversaires et qu'il y ait un système de jeu pour que les transitions entre le milieu et voilà, entre le milieu et les joueurs offensifs prennent Merci. pour faire des merveilles. Plutôt, ton avis sur Tibota, au moins pour qu'on fasse le tour. Je pense que Tibota, il a marqué des points. Je dirais un peu plus de la moyenne s'il fallait le noter sur 20. Il a un peu plus de la moyenne. Je pense que là, sur ce match, c'est peut-être un manque de confiance, peut-être un peu un manque de rythme. Comme disait Jaris, il revient de Covid, des voyages, tout ça. Je pense que ça a peut-être pesé sur son jeu aujourd'hui. Parce que c'est le seul joueur qui a apporté des problèmes à la défense de l'Eswatini aujourd'hui, en termes de vitesse sur les côtés, dédoublement, percussion, et juste la dernière passe, le dernier geste qui a manqué pour lui. Et puis voilà, je pense que pour l'avenir, c'est le joueur sur lequel il faut compter en l'associant avec Makuta, les deux joueurs de l'équipe. Et pourquoi pas, si Bifuma revient, peut-être que ça permettra de repositionner Makuta, mais sauf que ça poserait un problème sur les deux intérieurs de devant, là, les tours jumelles, et sur son milieu. Parce que s'il met Bifuma sur le côté, Tibota sur le côté, pour mettre Gaius au milieu, soit il sacrifie un des deux attaquants, ou soit il sacrifie Ndokit, à vous nous. Non, mais il ne pourra pas jouer avec deux. Enfin, on ne va pas jouer avec deux tours plus deux joueurs. Ça ferait quoi? Quatre, une ligne de quatre attaquants avec deux qui se marchent dessus? Ben, on ne sait pas parce que lui, il comprend en 4-4-2. Donc, Ou peut-être remettre un Bifouma au cœur du jeu en tant que 10? voilà ce qu'on se dit, on ne sait pas trop, mais. En tout cas, le jeu des Diabrou, je pense qu'il se joue avec Chibota et Makuta pour moi. Il faut ma pas trop, mais Makuta et Chibota. Très bien, ben, ça nous permet donc d'enclencher, puisqu'on en a, on l'a évoqué, j'ai entendu là les appels du pied de l'inspecteur Derry qui commençait à évoquer ce nom-là, Bifouma. Et ben, d'ailleurs, on va avoir un débat consacré. Leadership. On a vu durant ces 2 journées qu'il y avait clairement un problème de leadership. Est-ce que plus que jamais, Bifouma est irremplaçable dans cette équipe? Je commence par Jaris.
l'ami proche de Bifouma. Après, pour moi, ma position elle est connue, hein. Pour moi, l'époque de Chevy, elle est passée. Et faut responsabiliser les gars comme Makuta, Chibota et Ganvula et Ibarra aussi, qui a répondu présent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en équipe nationale. On les a responsabilisés durant ce. On a vu qu'ils ont été responsabilisés, mais on a vu quand même que à Brazzaville c'était peut-être plus simple, mais Mais le match d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes joueurs. C'était déjà pas. avec les responsabiliser, mais dans quelles conditions? Déjà avec un Makuta à sa place, avec un Chibota en forme, avec une des tours où il va falloir faire un choix parce qu'on ne peut pas jouer avec les deux, Est-ce que avec ce n'est un. pas justement l'absence d'un Bifuma qui permet enfin, de Moi, pouvoir. pour moi, là, on a Chevy, c'est un problème. Il ne Je t'ai viendrait pas rebousculer cette hiérarchie-là de mettre deux pointes comme ça? C'est justement peut-être parce qu'il n'y a pas un Bifuma qu'on joue avec deux pointes. Pour Parce moi, que de mémoire, le match contre la RDC, le 1-1 à Brazzaville, Ibarra est titulaire, mais Bifuma est titulaire et on ne joue pas avec deux pointes. mais c'est pas la même équipe, hein. Là, je te donne un exemple. Ces dernières années, dans les 18 mètres, entre frapper et faire la passe à Thiévy. Généralement, les gars allaient faire la passe à Thiévy. Mais aujourd'hui, on ne les a pas eu frapper non plus. Hein. Ouais, Donc, mais aujourd'hui, vraiment, donc. mais déjà avec un, si déjà t'as un coach avec un projet de jeu qui propose, qui met les mecs à leur place, un Makuta, tu le vois frapper. Un Makuta, tu le vois frapper. Makuta en passé et frappé va frapper. Chibota en passé et frappé va frapper. Donc là après, on risque d'avoir un autre problème et une autre guerre en fait. Donc pour toi, Bifuma ne reviendrait pas. Même si on se rend bien compte que cette équipe manque d'âme quand il n'est pas là, il n'y a pas un joueur qui se dégage au-dessus pour dire c'est lui qui tire. Non, pour moi, non. Faut voir les mecs sur plusieurs matchs. Chevy, que ce soit au niveau du comportement sur en dehors du terrain, que ce soit en club ou c'est pas un exemple. Je remets pas en question tout ce qu'il a fait. C'est un bon joueur, c'est l'un des plus grands joueurs que le Congo ait connu. Il n'est pas là le débat. Mais pour moi, Chevy, faut tourner cette page comme on a su tourner celle de Delvin et Onyango. Et voilà. Très bien. Je vais du côté du président. Est-ce que le président partage cet avis? Est-ce qu'on a vu là? Est-ce qu'il y aurait eu un Bifuma? Tu ne l'aurais pas mis sur le terrain au regard du match d'aujourd'hui? Non, Arjo, non, tu ne peux pas dire de ne pas vouloir le mettre sur le terrain. N'importe quel coach, quand tu donnes le CV de Bifuma, il le met sur le terrain, il est sur la feuille de match. Maintenant, c'est vrai, sur l'évolution, et comme on dit, c'est que malheureusement, un leader, c'est quoi? Un leader, c'est sur le terrain et même à l'extérieur du terrain. Parfois dans le comportement. Parce que le leader, généralement, c'est un loup isolé. Quand on va regarder la plupart des leaders que nous connaissons dans le football, ils ont une certaine attitude, ils ont une rigueur qu'ils apportent à une équipe. Quand on regarde les grands champions, quand on regarde dans n'importe quel pays, moi je regarde les champions sud-américains, quand ils venaient, ils dégageaient quelque chose. Et je pense que Jarry, ce qu'il essaye de faire comprendre, pourquoi à un moment on va passer à autre chose, parce qu'il n'arrive pas à emmener ça. Il y a tellement d'attentes autour de lui qu'il n'arrive pas à ramener cette sérénité. Un leader, il doit être capable de vous dire, allez, on va aller gagner ce match-là, tranquille, les mecs. Est-ce qu'on avait un sur le terrain aujourd'hui? Non. Mayembo. Aujourd'hui, Mayembo et toi, ils sont en train de nous donner naissance à une ossature. Je vais prendre je vais être un tout petit peu plus long. Je vais prendre l'équipe de France 98. Pourquoi elle est championne du monde? C'est qu'à un moment, on s'est rendu compte, il y a eu la naissance de Zidane. Zidane, il a explosé tard. Zidane, c'est pas un Mbappé hein, qui a explosé à 18 ans. Il l'a explosé petit à petit. Il est devenu leader sur le terrain. Il était incontestable dans ses choix, dans sa manière de jouer.
c'est lui qui pouvait maintenant dialoguer avec le coach. Pourquoi? Parce que c'est un véritable numéro 10. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la charnière défensive. Quand tu prends, tu parles de Desailly, tu parles de Thuram, de Lizarazu, tout ça. Après, il y a eu le milieu de terrain. Après, il y a eu l'attaque. Mais pour avoir un leadership, c'est un moment dans ton comportement, tu dois dégager un charisme. Regarde Deschamps, ce n'est pas le plus beau joueur. Il a un charisme. Il a une rigueur. Quand Deschamps, il venait quelque part, il disait aux gars, bon les gars, le sale boulot, c'est pour moi. Il dit, le sale boulot, c'est pour moi. Celui-là, je vais le faire danser aujourd'hui. Vous allez voir. Il va danser. Mais c'est ça un peu. Et je pense que Bifouma, malgré ça, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, c'est la force de l'Afrique, c'est nous sommes des grands nostalgiques. Mais on oublie l'efficacité d'un joueur. Parce qu'on est Sur le toujours terrain, à... le garçon ne le montre pas par ses prestations. Non. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en sélection. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, l'équipe nationale doit faire partie de ton ADN. Tu dois tout faire pour être là. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment, j'arrive, si je veux faire comprendre un truc, c'est que si à un moment, tu n'arrives pas à transmettre cet ADN à tes collègues, c'est qu'à un moment, on va trouver quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on va arriver à la génération Thibaut Tard, on va arriver à d'autres. Et moi, pour te dire que maintenant, je pourrais te dire, Mafumbi, moi, je pourrais lui donner le brassard de capitaine. Il y a notre ami Sarkozy Zando qui nous dit, je vous annonce aujourd'hui que le leader de notre équipe nationale et buteur sera Guy Benza. Gardez ce commentaire, vous allez me chercher un jour. On ne va pas te chercher un jour. Ce commentaire, il est là, il est enregistré. Les archives du DRCPF Show sont disponibles. Chacun pourra aller le revoir. Évidemment, on prend rendez-vous avec l'histoire. Merci. Je vais te poser le son de cloche de notre ami Derek, l'inspecteur, hein, dans les saisons où les épisodes ont bercé toute notre enfance sur la ZDF. Alors, Derek, pour Oui. toi, ces questions de leadership avec Bifouma, que certains ont dit qu'il ne faudrait pas confondre buteur et leader, est-ce qu'aujourd'hui, Bifouma, plus que jamais, il est irremplaçable au regard du jeu qu'on a vu aujourd'hui et du match qui a été fait? Et qui plus Non. est encore, sur les deux matchs, si jamais on prend l'ensemble sur ces deux matchs, on sait que avec ce garçon sur le terrain, peut-être qu'on aurait eu le même résultat, mais on aurait vu autre chose. On aurait vu des joueurs qui se bougent pour pouvoir proposer autre chose, parce que quand tu te dis que tu as aussi Bifouma à côté, en tant que coéquipier, tu es plus rassuré de lui donner le ballon. C'est peut-être pour ça qu'on lui fait la passe au lieu de frapper. Je pense que Bifouma n'est pas irremplaçable. Il fut un temps, il était irremplaçable, mais la bonne chose, c'est que nous sortons lentement et sûrement de la Bifouma dépendance. Et ça, je pense que c'est pour le bien de l'équipe, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, de mémoire, j'aimerais savoir, il me semble que le match qu'on gagne face à la Guinée, Bifouma n'est pas là, il me semble. Non. Ben voilà. Donc, sur cette campagne-là, sans Bifouma, En même l'équipe temps, on réussit à... gagne face à la Guinée, une équipe qu'on a l'habitude de battre. Donc, il ne faut pas non plus donner Bon, l'impression que c'est une bon. équipe qui. Voilà, à chaque fois que le Bon. Congo, les prestations, les confrontations face à la Guinée, on les a collés des Bon, cartons chez eux. Donc, voilà. avec ou sans Bifouma. Un jeu très simpliste, hein? Tu aimes bien les équipes qu'on a là. Je dois être simpliste parce que sur le débat, à chaque fois que je vous interroge, que ce soit toi, vous êtes trois d'affilée à défendre un avis contraire. Donc, je suis obligé d'être dans le de faire l'avocat du diable pour que le débat puisse avoir lieu. Dans tous les cas, là, on en a pris 4 sur 6 possibles sans Bifouma. On est bien d'accord. Je Oui. pense que c'est une très bonne chose parce que je pense que la présence de Bifouma sur le terrain peut quelquefois crisper les autres parce que systématiquement, on pense Bifouma aussi. Les autres, ce sont, je ne sais pas, mais... On pense qu'il y a un faiseur de miracles qui est sur le terrain et je pense que les autres sont quelquefois moins impliqués. Alors que Mais là, là, on les a pas, ils étaient pas là, ils n'étaient pas là. On a vu que le capitaine moi je dirais était qu'ils étaient là. on a vu des. Ils ont pris 4 points sur 6 possibles. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas là.
D'accord, très bien. Je Apprendre. me tourne vers notre ami Congo Boys qui est en train d'arracher le peu de cheveux qui lui reste. Malheureusement, il est encore jeune. Congo Boys, quel est ton avis sur cette notion de Bifuma plus que jamais irremplaçable? Laisse mes cheveux tranquilles déjà, Arjo. C'est ça, c'est madame qui en prend soin. Merci. Donc, pour Bifuma Dépendance, bon, dire qu'il personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Voilà. Mais de là à dire que il faut bien sûr un jour il faudra tourner la page, mais le Congo aura toujours là à l'heure actuelle, le Congo aura toujours besoin d'un joueur de son calibre. On a joué face à la Guinée-Bissau, comme tu dis, on a eu l'habitude de les taper. On a toujours eu l'habitude de les taper avec ou sans Bifuma. On a joué l'Eswatini, qui n'est pas non plus une foudre de guerre, mais c'est quand même un mec lors des gros matchs face à des gros adversaires qui a toujours su tirer son épingle du jeu. Contre le Sénégal, on perd 2-0, mais on a vu que il n'y avait pas de créativité au niveau de l'attaque, il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas un joueur qui était capable d'accélérer le jeu, ce que lui peut faire. Après, de là à dire qu'il y a une Bifuma dépendance, non, il faut une équipe de football doit savoir jouer avec son équipe, que ce soit les 11 et les remplaçants. Et les remplaçants. Mais de là de dire que, enfin, pas de dire, je ne vais pas interpréter les propos de mes prédécesseurs, mais on aura toujours, pour moi en tout cas, on aura toujours besoin d'un joueur comme lui. Maintenant, à lui d'être exemplaire en dehors du terrain. Et sur le terrain, donc c'est-à-dire notamment dans ses clubs. En équipe nationale, personnellement, je n'ai rien à lui reprocher. Toutes les fois où il a été là, on a tous vu qu'il était là, en équipe nationale. Là où il faudrait qu'il montre une exemplarité, l'exemple, voilà, je parlais pour court. En plus, comme c'est un exemple, c'est une idole au Congo, c'est un modèle pour les jeunes Congolais, c'est au niveau de ses clubs. Faut il faut qu'il soit régulier. Mais au niveau des performances, au niveau du comportement, c'est-à-dire au niveau de la vie, de sa vie aussi extérieure, bien qu'il la gère, c'est un grand garçon, mais il faut qu'il soit exemplaire sur ce niveau-là, pour justement, avec un joueur de sa qualité, de son talent, pour être régulier dans ses performances en club. Là, aujourd'hui, je suis désolé, sur des matchs comme ça. Bifuma sort toujours son épingle du jeu. Maintenant, on est souvent nostalgique. Ben, on va sortir la nostalgie, c'est pas un problème. Souvenez-vous du match sous Claude Leroy contre l'Éthiopie où on gagne 4, c'est 4-3 qu'on gagne là-bas. Qui débloque le match? C'est lui. D'accord? Amassa Mbemba au retour, on gagne 2-1. Qui débloque? C'est lui. Donc, à un moment donné, dans des matchs compliqués comme ça, il y a toujours un joueur qui peut tirer son épingle du jeu et lui peut le faire. Après, bien sûr, sur la longue, et là, je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Il faut donner la clé du camion à des joueurs comme des Chibota, des Makuta, comme c'est des joueurs qui sont en train de prendre une certaine responsabilité dans leur performance en club, etc. Donc, à la longue, il faudra leur donner les clés du camion. Je suis d'accord. Mais là, actuellement, même si on a fait notre campagne sans Bifuma, je pense qu'un Bifuma en forme, régulier dans ses performances, droit dans ses baskets et dans ses bottes, sera un apport que personne ne pourra contester, selon moi. Donc, Donc voilà. il est irremplaçable. Alors. Il n'est pas irremplaçable, mais on a besoin de lui actuellement. Bon, Très j'ai bien. pas dit qu'il n'est pas, j'ai pas, comme j'ai dit, personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable, y compris lui. Mais on aura toujours besoin de lui. Il y a nuance. Très bien. Il y a notre ami Sten qui nous dit TVD reste jusqu'à présent le leader technique des Diables Rouges, à mon avis, puisqu'il n'y a pas un autre joueur qui sort du lot. Mais il y a aussi un manque de leader moral, quelqu'un qui inspire le respect de l'expérience de tout le monde peut écouter, que tout le monde peut écouter. Et là, je pense Prince Onyango qui est très performant avec son club. Évidemment, quand on parle leadership, ben, on pense souvent à Prince Onyango. J'ai envie de me tourner du coup vers Tito qui nous a écouté avec une patience d'ange en train de préparer ses arguments. C'est le moment de les ressortir. Alors, Bifuma plus que jamais irremplaçable. Moi, je dirais, quand on veut tourner une page, on la tourne pas de façon sèche, on la tourne progressivement.
Mais parce que Bifuma, qu'on veut ou non, c'est lui le leader technique des Diables Rouges, à moins qu'on mette Makuta à son vrai poste. Mais d'un autre côté, Mars arrive vite et aujourd'hui, on ne sait pas où il est au niveau club Bifuma. S'il est assez avancé dans ses recherches de club ou s'il y a des trucs qui se profilent ou pas. Donc, Bifuma, pour Mars, pour moi, s'il n'a pas de club, ça sert à rien de compter sur lui. Mais j'aimerais dire qu'il n'est pas forcément irremplaçable. Il est Du coup, remplaçable. ça me fait dire. Alors, on va estimer que Bifuma, son club, on l'appelle pas. On a vu des joueurs au Congo qui étaient dans des situations pareilles. C'est différent. Makessé, son dernier match en club, ça remonte d'octobre. Ça remonte pas à l'âge de Pierre. Ça remonte à octobre, juste. C'est vrai que pour ce niveau, c'est vrai que c'est long, mais Bifuma, depuis, on va dire, septembre, je crois, son dernier match, jusqu'à présent, il n'a pas rejoué. Donc, il n'a toujours pas de club. On ne sait pas trop son état de forme. Donc, pour moi, pour cette campagne, on s'en sort bien sans lui. Et de l'autre côté, le mot leadership, ce n'est pas juste technique, c'est aussi leader sur le terrain, un leader moral aussi, comme a dit le pour moi, leader, c'est aussi celui qui doit avoir le brassard. En ce moment, brassard, je pense qu'il n'est pas sur le bon bras. Il n'est pas sur le bon bras. Pour moi, le brassard, ça tétanise la personne. On voit que depuis le match contre la Guinée-Bissau, ce n'est pas la même personne. Le match aller contre l'Eswatini, il n'a pas été bon. Aujourd'hui, toujours pas bon. On l'a vu marcher aujourd'hui. On l'a vu aller au milieu de terrain, descendre. En tout cas, il a déjoué, on va dire. Donc, pour moi, leader aujourd'hui sur le terrain, ça serait peut-être Mayembo. Dans l'état actuel des choses, je vois plutôt Mayembo ou Mafumbi, mais sauf que Mafumbi, c'est quelqu'un, on va dire, un peu trop réservé. Donc, pour moi, le brassard, il se jouerait entre Mayembo et notre grand Bisiki. Pour l'ancienneté, l'expérience. Rappelons-le que Bisiki, il est capitaine dans son club. Il a été capitaine auprès d'équipes du CHAN, en fait, des locaux également. Donc, c'est un garçon d'expérience. Il peut très bien porter assumer ce rôle de capitaine. Évidemment, ça a gêné notre ami Derek qui bondit, qui ne fait qu'un tour. Son sang ne fait qu'un tour en écoutant le mot Bisiki, mais. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le brassard, on s'en rend bien compte, il n'est pas sur le bon bras aujourd'hui. On s'en rend bien compte. Donc, s'il faut trouver un capitaine, ça serait soit de se tourner sur le calme de Mayembo, lui donner plus de responsabilités, on voit qu'il en a besoin là, ou le donner sur celui qui a de l'expérience, qui est Bisiki. Voilà. Eric Donc, pour moi. ne pas partager cet avis. J'aimerais savoir. Oui, mais pour lui aujourd'hui, à qui il donne le brassard? Vous donnez le brassard à qui? Je vous pose la question. Moi, aujourd'hui, Il fait le je choix. suis d'accord. Est-ce qu'il a le rang de capitaine? Pas Pardon? tous en même temps. Moi, Vas-y, Eric. aujourd'hui, je donne le brassard à Mafumbi. C'est vrai qu'il est, on dit qu'il est un peu timide, mais on voit bien en équipe de France Hugo Lloris tenir son rôle de capitaine. C'est pas parce que sur le terrain il a l'air timide que dans le vestiaire aussi il le sera. On a vu aussi, contrairement à Mafumbi qu'on a eu à la CAN, qui avait même qui était même hésitant quand il s'agissait de replacer ses défenseurs. On l'a vu aujourd'hui prendre ses responsabilités, rappeler à l'ordre ses joueurs, et je pense qu'il est mieux placé pour avoir ce brassard-là. Bisiki, pourquoi je ne suis pas d'accord à l'idée que Bisiki soit capitaine? Pensez-vous que Bisiki se fera entendre dans ce vestiaire? Est-ce que Bisiki, par ses performances, Contrairement à ce que tu laisses dire, c'est quelqu'un qui est respecté dans le vestiaire. Il ne faut pas avoir Je pense que l'impression, nous, de notre point respecter. de vue de l'extérieur, que ceux qui sont en interne, Bisiki a vu arriver tous ces joueurs-là et il les côtoie, forcément, c'est un garçon qui est très respecté. Oui, mais il est respecté parce que c'est l'ancien. Parce qu'en termes de performance, avec tout le respect que j'ai pour lui, en suivant le match de l'Eswatini, je pense que s'il y a un joueur sur lequel le banc de touche a le plus crié, c'est Bisiki. Limite, en fait,
même quand il avait, c'est lui qui a la balle, le banc de touche limite lui, essaie de On lui parle dire de ce qu'il quel doit faire du match? ballon. On parle de quel match? Du match Attention pas d'aujourd'hui. confondre l'opinion publique et les réalités Non, d'un bon. C'est qui du sont match prêts? d'aujourd'hui. Du match Oui. d'aujourd'hui. Parce Ah, il a qu'aujourd'hui, fait en un bon suivant le match. match, Je suis désolé, mais c'est qui a fait un meilleur match oui, cet après-midi que ne l'a fait il y a 3 jours? mais justement, en suivant ce match, comme on entendait très bien ce qui se disait du banc de touche, dès que Bisiki avait un ballon, tu avais le banc de touche qui. On lui parlait systématiquement. Donc, heureusement qu'on lui a parlé pour qu'il. Et Dieu merci qu'il ait fait ce bon match. Mais Mais sinon, après, Eric, Bisiki, il fait peur. Il fait peur. histoire de parler, là, c'est un argument. Les joueurs qui jouent sur le côté, là, c'est toujours ceux qui se font engueuler, c'est toujours ceux qui prennent le plus, là, quand ils sont du côté du banc du coach. Ça, c'est pas un argument recevable. Bon, pour moi, c'est le maillon faible de l'équipe Aujourd'hui, ici. Donc, lui donner le brassard. t'as vu, en fait, là, on est dans une analyse. On ne veut pas être fort dans l'émotion. C'est vrai que Non, Bisiki. oui. Bisseki, demain, je fais une équipe PES ou FIFA, ce que tu veux. Ce n'est pas le joueur que je vais prendre. Aujourd'hui, il a fait son match. Et dans le genre de match bourbier, là, quand on continue, c'est souvent des locaux qui font la diff. Et aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, Bisseki, c'est quelqu'un sur qui on ne va pas tirer gratuitement. Il n'a pas fait d'erreur. Il a fait son match. Il a fait un bon match, hein. Aujourd'hui, on Il a fait un attendait. bon match. Oui, mais Pendant 2 matchs, on a attendu plus d'un Gavoula. J'ai rien vu. qui n'a pas fait le taf, oui. Le premier match, on l'a attendu, on l'a pas vu. Aujourd'hui, bon, ça va. Tu vois, mais on va pas tirer sur les gars pour tirer sur les gars et pour amuser la galerie. T'as vu, on les a assez pour se moquer de Bisiki ou pour faire des blagues sur les histoires d'arrière gauche. Ils ont pas besoin de nous. Donc, venez, on essaye de pas être dans l'émotion. Mais oui, mais On parle sans être dans la moquerie. il a la possibilité d'être leader. Ouais, mais les Mais joueurs qui sont Bisiki, là, Eric, je te le dis, si tu as l'habitude d'aller voir des matchs, même en district, Gloire et les coachs, les joueurs qui jouent les latéraux ou les joueurs qui jouent sur le côté, quand ils sont sur la ligne, là où il y a le coach, c'est eux qui prennent tout le match. oui, mais on ne cesse de Et le dire, aujourd'hui, on ne va pas Bisiki. les faire des trucs gratuits, tu vois. Oui, non, on ne tire pas sur Bisiki, mais aujourd'hui, on le. Enfin. Je vais emprunter ce qu'a dit Mike. Bisiki, c'est on l'utilise parce que c'est le couteau le moins aiguisé qu'on a dans le tiroir, mais on s'en sert parce qu'il a tout Le moins donné. aiguisé, Bisiki a le Oui, palmarès, c'est un garçon qui a un le plus palmarès étoffé. Mais beaucoup ne pouvaient pas. Après, il y a dépend. un autre problème, t'as vu? Si on voit Mazikou comme titulaire à ce poste, à quel moment on utilise Bisiki comme capitaine? Maintenant, j'ai une question à te poser, Derrick. Mazikouche, tu l'as déjà vu jouer combien de fois? Mazikou, Parce qu'en fait, en club. il y a un truc. Tu regardes le championnat bulgare le dimanche après-midi? Non, de façon aléatoire. Ok, d'accord. Donc en fait, il y a un truc avec les Congolais. Je ne sais pas, c'est peut-être le néant qui fait ça, mais on a aussi un attrait pour la nouveauté. Il est bizarre, tu vois. Teddy, il est là. Teddy, il va pas rentrer dans le débat. À Bonkele, vous l'avez pas vu jouer. Tout le monde à Bonkele. Mons, vous l'avez pas vu jouer. Tout le monde Bassamina. Mais Bisiki, il a ses défauts, il a ses qualités. Mais pour moi, c'est un mec, il se chie pas dessus. Tu Oui, vois pas. oui, oui. Donc maintenant, Bisiki, dans un vrai collectif avec un vrai coach, il va moins se noyer déjà que comme il peut se noyer parfois. Tu Oui, comprends pas? Donc, il n'y a pas de 6 devant lui. Les mecs, ils ne sont pas à leur place. Il y a des mecs qui sont un peu perdus. En fin de match, les 15 dernières minutes, pour moi, les joueurs étaient perdus après tous les remplacements, là. On ne savait même plus qui jouait où. Il n'y avait plus de joueurs de côté. Il n'y avait que les 8. On ne comprenait plus rien dans un fouillis comme ça. Et quand les mecs, ils sont un peu plus juste physiquement ils sont un peu plus juste techniquement que les autres, après, les erreurs, elles se remarquent. Mais dans chaque équipe, il y a un maillon faible, mais aujourd'hui, ce n'était pas de bicycle du tout. Tu Oui, vois? c'était pas Bisiki, mais dans la durée, quand on Parce que se projette. même dans l'envie, bicycle, tu peux pas l'en. Au niveau de Oui, l'envie, on ne peut pas lui refuser ça, oui. c'est les 2, 3 premiers. Moi, je préfère un mec comme ça, limité techniquement, qui a envie, que d'autres qui viennent, tu vois, on les voit marcher. Aujourd'hui, Oui. Vini Barra, c'est un joueur qu'on aime. Pas forcément le style de jeu, mais aujourd'hui, entre Silver et Vini, ça y est, donc c'est mon choix, je préfère mettre Vini. Vini, il montre, il a l'envie, en fait.
Et l'équipe nationale, oui. C'est ça, en fait, justement. C'est l'envie. On ne peut pas être nonchalant quand tu joues pour ton pays, quand tu écoutes l'hymne national. Tu ne peux pas être nonchalant juste après, en fait. Et Bisiki, il ne le sera jamais. Donc, il joue avec ses qualités, il joue avec ce qu'il a, mais il ne faut pas aussi qu'on tombe dans le piège ou dans la facilité de tirer à vue sur lui, en fait, tu vois. C'est... Mais on ne tire pas, on ne tire pas sur lui pour tirer sur lui. En tout cas, pour moi, de ma part... Oui, t'as donné moi, l'argument. Pour moi, je me dis que Bisiki, on fait avec, mais aujourd'hui, ce poste-là, ça reste c'est comme tous les autres postes d'ailleurs. C'est un poste qui reste prenable. Donc, il y a de la, et avec la venue de Mazikou et peut-être d'autres joueurs à l'avenir, ce poste-là restera sujet à concurrence. Mais maintenant, du coup, dans ce contexte-là, je ne vois pas qu'il soit capitaine de la durée. Mais Derrick, à part capitaine, là, tu as dit un poste prenable. Mais sur les 11 joueurs congolais, si tu as l'occasion de faire mieux, ils sautent. On n'a pas de certitude. Demain, sans Babrice, il dit je viens, ma famille, on n'en parle plus. Tous les postes sont prenables. Argument non recevable aussi. C'est pour ça que je te dis, ne tombons pas dans le piège à tomber dans l'émotion. Tous les postes sont prenables. Bota, il en parle à la recherche de son premier but. Bifouma vient pas. Gamboula, on attend, mais finalement, c'est Vini qui marque. Makuta, il n'est pas à sa place. À droite, en tout cas, voilà. À part Mayembo, qui dort tranquille avant chaque match, les 10 autres, ils sont prenables. Je ne sais pas, les gars, si je me trompe, vous pouvez me contredire. Mais non. C'est juste que tu dis. C'est juste. Quand je suis très limité, je suis pressé aussi de voir un Mazikou, mais il y a les matchs d'Afrique, c'est le football africain, c'est pas le football européen. Ça serait trop facile sinon, tu vois. Après, sur ce match-là, Bisiki, voilà, on va dire les matchs à piège comme ça, Eswatini, les terrains bizarres, voilà. Les joueurs comme les Bisiki, c'est les matchs pour eux. On va dire Bisiki, il a participé à l'épopée de l'AC Léopard, il connaît les championnats, enfin les équipes compliquées comme ça, les terrains difficiles et tout, etc. Voilà. On sait tous que Bisiki est un joueur qui joue avec ses qualités. On sait que voilà, techniquement, par moment, ça peut être limité, etc. Mais on ne peut pas lui reprocher son envie de mouiller le maillot à chaque fois qu'il est là. Après, on sait tous que s'il y a un latéral gauche qui vient au-dessus, mais vraiment qui est au-dessus, qui met tout le monde d'accord, on sait bien que qui ne sera pas là. Après, le débat de Derrick, c'était est-ce qu'on donne le capitanat, par exemple, à ce que Tito a suggéré, est-ce qu'on le donne à Bisiki? À Bisiki. Lui, Tito dit qu'il donne le capitanat à Bisiki par ancienneté. Oui, c'est un ancien, il est là, il a vu arriver les Gaius, il a vu beaucoup de joueurs arriver. C'est vrai que par l'ancienneté, on peut donner le brassard à un joueur. Mais, il n'y a pas de problème. À part l'ancienneté, il entend tout ce que vous dites, il lit tout ce qu'on dit. Mais il est quand même là, il aurait pu vraiment se noyer. Je pense que vous avez, Gloire, tu connais le foot, tu as déjà assisté à un naufrage de joueur, un mec vraiment noyé. Bisiki n'a jamais été noyé. On sait tous que, par exemple, il y a un public qui est quasiment contre, qui te rejette et attend ton remplaçant depuis des années. À chaque fois, on se pose la question et que l'opinion publique ne va pas dans ton sens, mentalement, c'est très difficile. Et pourtant, il tient sa place. Tous les jours où il est passé, il a toujours été titulaire. En même temps, au Congo, Bisiki, c'est le meilleur latéral qu'on a au niveau sur le plan local. Donc, au Congo, il a inséré. Gloire, c'est vrai que tu aurais mieux la tête.
Pas moi, il a été élu meilleur latéral du Congo. Je n'invente pas les choses. Je n'invente pas les choses. Quand tu es élu au Congo, dans tous les trucs, c'est la magouille. Mais Tito, dans toutes les équipes, je t'ai dit que vous voulez mettre le brassard, capitaine. Tu veux encore nier qu'il n'est pas le meilleur latéral au Congo. Faut savoir. C'est le meilleur latéral du Congo. Sur le cas du capitaine Tsubisiki, moi personnellement, je ne lui donnerai pas parce que pour moi, il n'a pas cette aura-là ou quoi pour porter le brassard. Bien que Valdo lui ait donné le brassard lors de son premier match à Brazzaville face au Zimbabwe. Arjo, à l'heure actuelle, pour te dire, moi personnellement, je suis sélectionneur du Congo, je ne sais pas qui donnerait le brassard, personnellement. C'est pour ça qu'à chaque fois, aujourd'hui, c'est Lusuku, demain, tu vas voir Ngamvula, un jour, tu verras Mafumbi, un jour, tu verras... Pour le moment, il n'y a pas de leader, il n'y a pas ces joueurs qui dégagent cette aura. Il n'y en a pas. Je reprends un peu la main. Je reprends la main, justement, d'où le débat était induit en disant, vu qu'on se rend bien compte que leader... On a du mal à avoir des leaders dans le sens strict du terme. Confiant, le leadership revient donc à celui qui est leader technique de par ses prouesses, de par sa qualité, de par sa classe. Et c'est peut-être en ça que Bifuma se dégage. Il n'est même pas là. Il n'est jamais là. Ça devient capitaine par défaut. Pardon ? Bifuma devient capitaine par défaut. Mais comment il peut être capitaine déjà des éliminatoires, il n'était pas là. Quand Minier arrive, la première chose qu'il fait, c'est le responsabiliser. Le match contre le Ghana, il lui confie le brassard parce que ça permet aussi d'assumer et de responsabiliser ce garçon. Et on a vu qu'il lui a bien rendu, notamment le match à Mantes-la-Ville, dont vous vous souvenez tous. Il lui a bien rendu. Donc, il y a aussi un moment donné que ce genre de garçon sur le terrain, c'est un leader technique, il faut les responsabiliser pour pouvoir les faire monter un palier. Et c'est peut-être ça ce qu'avait fait Mini, parce que c'était son capitaine. Et il n'était pas mauvais comme capitaine d'ailleurs. Il essayait de forcer quand la situation était bloquée, et puis il forçait un peu, il déjouait parce qu'il pensait qu'il pouvait toujours tout débloquer. Mais ça a été un bon capitaine, ce Mini. Alors, oui, parce que regarde, par exemple, tu prends l'exemple, sans te couper Arjo, tu prends l'exemple du match contre le Ghana. Souviens-toi de la péripétie, en plus, d'RCPF l'avait bien souligné, et les journaux, les confrères aussi. Souvenez-vous, quand ils arrivent à Accra, ils attendent au moins 6 heures dans un aéroport ou etc. Les gars voyagent dans un avion militaire. Beaucoup de joueurs ne voulaient pas monter dedans, étaient découragés. C'est Bifuma qui prend ses responsabilités, qui dit les gars, on y va, c'est pour le maillot, on y va, on va répondre sur le terrain. À la fin, on fait un partout. Donc, il peut avoir ce capitaine-là, ce leader, mais c'est ce que ça soulignait le président par le passé, je l'ai subi par la suite. Il faut qu'il soit exemplaire en dehors du terrain, qu'il soit régulier, qu'il soit là, qu'il montre l'exemple. C'est un idole pour tout Congolais, Bifuma. C'est même moi, quand je le vois sur le terrain, moi, franchement, je te dis, même si j'ai les comprimés à côté, on ne sait jamais que le Congo, mais je suis tranquille. D'accord. Donc, il peut avoir ce capitaine-là, mais il faut qu'il soit régulier, qu'il soit présent, qu'il soit là. Bon, là, il n'était pas là pour le cas Covid, mais voilà. En équipe nationale, Bifuma, on ne lui a jamais rien reproché. Tous les matchs qu'il a joués, en tout cas, il a toujours, excusez-moi le terme, porté ses couilles sur le terrain. Il a toujours été là. Il les a toujours portés. Voilà, excusez-moi, je suis vulgaire, mais il a toujours montré que pour le maillot, pour l'équipe du Congo, il se dépasse, il se surpasse. Maintenant, c'est moi ce que Jaris et le président, c'est au niveau de ses clubs et au niveau de sa régularité. On sait que voilà, sur les réseaux, il est beaucoup suivi, il aime beaucoup, c'est un bon vivant, etc. Quoi qu'on en dise, c'est à ce niveau-là qu'on peut lui reprocher certaines choses. Mais si maintenant, un mois régulier, etc., oui, on lui, bien sûr qu'on lui donne le brassard de capitaine. Très bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Hein. Évidemment, il y a certaines personnes qui commençaient à s'impatienter. On en arrive à la fin. Germain, on avait dit qu'on faisait un format d'une heure et demie. On est parti jusqu'à presque 2h30. Mais la question, plus que jamais, est remplaçable. Leadership. Chacun son poste aussi ici. Hein.
Oui, évidemment, chacun son poste. Hein, le débat était animé et c'était fructueux. C'était un plaisir pour nous de pouvoir vous proposer encore et de rester si nombreux parce qu'il y a plein de gens qui sont là depuis le début qui restent et on avait dit de faire des formats plus courts pour que ça soit pas toujours prenant. En tout cas, le jeu en fallait la chandelle et c'est un plaisir. Prenez soin de vous. On espère nous revoir très bientôt. Pourquoi pas avec de meilleurs débats, avec de meilleurs chroniqueurs, avec en tout cas beaucoup de surprises. Pour ma part, je ne peux que vous souhaiter très bonne soirée et ben, écoutez, vive le Congo une fois de plus. Hein. Bonne soirée, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, Valdo.